Bonjour Bonjour à à tous. tous et bonjour à toutes. Donc ça fait longtemps qu'on reçoit des messages pour nous demander d'organiser une grande conférence sur les huiles essentielles, sur l'aromathérapie, ce qu'on appelle l'aromathérapie. Et ben bonne nouvelle, le grand jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Donc après 5 ans de bons et loyaux services. Avec les conférences mensuelles d'Acti Nutrition que nous lançons, que nous organisons, une conférence intitulée Tout savoir sur les huiles essentielles. Donc, je salue tous les gens qui nous ont rejoints. Il y a énormément de personnes qui se sont inscrites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme on dit au football, on joue à guichet fermé, en fait, hein. Ah oui. Il y a déjà 45 personnes connectées, 47, ça augmente. C'est super. Donc, on vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas, et Louis va vous le rappeler plusieurs fois au cours de la conférence, que on va discuter avec nos invités pendant 30 minutes, 45 minutes. Et après, nos invités, nos experts sont à vous pour que vous puissiez poser vos propres questions. Tout à Donc, je fait. fais un petit coucou en même temps. Non seulement aux gens qui nous ont déjà rejoints, mais aussi à tous les gens qui suivent actuellement les formations certifiantes que nous avons lancées depuis août. Donc bonjour à tous ceux qui suivent la formation de conseiller en nutrition avec Acti Nutrition et la gestion du stress aussi. Bonjour à tous et ravi de vous compter parmi nos nouveaux habitués, je dirais. Donc aujourd'hui, en compagnie de nos invités, on va découvrir les vertus naturelles de l'aromathérapie. Alors il y a des centaines d'huiles essentielles, mais grosso modo, on retombe invariablement sur les mêmes, une cinquantaine, je dirais. Toujours, on retombe sur l'arbre à thé, la lavande vraie, l'eucalyptus, l'amande poivrée, la gaultérie couchée, l'hélichryse, la niaouli, la palmarosa, la ravintsara, l'ylang-ylang. Enfin, on va parler de toutes ces huiles essentielles aujourd'hui parce qu'elles ont des propriétés médicinales et des indications thérapeutiques bien spécifiques, des modes d'utilisation particuliers et on peut les combiner, réaliser des synergies entre certaines huiles, et on verra si c'est plus intéressant ou moins intéressant, effectivement, de multiplier les huiles pour obtenir un résultat. Donc, on va explorer les bienfaits des huiles essentielles dans cette conférence pour, j'espère, vous aider à mieux cerner, mais aussi, comprendre les dangers, les précautions qu'il faut toujours prendre quand on les utilise. Notamment, je pense que nos invités nous alerteront sur les dangers que ça peut représenter par voie orale. Donc, on va commencer. On va commencer Commence. en accueillant nos invités. Donc, nos invités, ça va être Marie Borel, auteure et journaliste spécialisée en santé naturelle et qui a écrit des tonnes d'ouvrages sur la santé naturelle, les médecines douces, et elle a parlé des milliers de fois des huiles essentielles. Donc, je pense que c'est la bonne spécialiste pour nous expliquer les tenants, les aboutissants aujourd'hui. Bonjour Marie, Bonjour à je la tous. vois à l'écran, et on reçoit notre consultant médical, le docteur Yann Rougier. Donc, qui est médecin spécialiste et qui nous fait toujours la gentillesse de nous accompagner pour toutes ces conférences santé que nous organisons chaque mois. Donc, on va commencer tout de suite, mais avant, petite aparté, en disant que dans la deuxième partie, une fois que nos experts, donc Marie et le docteur Yann Rougier, auront répondu à toutes vos questions, on fera une petite présentation de notre société où on vous réserve toujours plein de surprises et cette fois-ci, on ne dérogera pas à cette bonne habitude. Donc, première question pour rentrer dans le vif du sujet, Marie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que sont les huiles essentielles, comment elles sont extraites, comment elles sont produites, tout simplement
pour expliquer ce que c'est. Alors, une huile essentielle, c'est un concentré, extrêmement concentré, de plantes. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit en même temps. Parce que quelles plantes, toutes les plantes peuvent-elles donner une huile essentielle? Non. C'est seulement les plantes aromatiques, c'est-à-dire les plantes qui contiennent un certain type de principes actifs aromatiques. Vous pouvez distiller tant que vous voulez une laitue, vous n'aurez jamais une huile essentielle de laitue. Donc, ça concerne une certaine catégorie de plantes qui sont dans lesquelles on retrouve toutes les aromatiques de cuisine. C'est-à-dire que tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour cuisiner, le thym, le romarin, le basilic, la coriandre, tout ce qu'on veut, ce sont des végétaux desquels on peut extraire une huile essentielle parce qu'ils contiennent des principes actifs aromatiques. Voilà. Après, comment on obtient une huile essentielle? Ça dépend de quoi on l'extrait. C'est-à-dire que les agrumes, par exemple, donnent des huiles essentielles parce que la peau des agrumes contient des substances aromatiques. Vous pouvez faire l'expérience, vous prenez une peau de clémentine, par exemple, elle commence à arriver sur les rayons, et vous prenez une bougie que vous allumez et vous pressez la peau de clémentine à côté de la bougie. Vous allez voir des petites étincelles. Ce sont les substances aromatiques contenues dans les petites vésicules de la peau qui produisent ça. Donc, pour extraire une huile essentielle d'agrumes, c'est très simple, il suffit de presser les écorces des agrumes. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'une plante, une plante ayant des feuilles, des tiges, des fleurs, etc. Il va falloir à ce moment-là, la plupart du temps, procéder à une distillation avec un alambic, c'est-à-dire qu'on a un grand réservoir dans lequel, je schématise, hein, dans lequel on met les plantes, on met de l'eau, on fait chauffer. La vapeur qui va se dégager de cette préparation chauffée va passer par un tube froid, va se refroidir, et les gouttes d'huile essentielle, de ce qui sera les huiles essentielles, vont se poser, se condenser sur le tuyau, et c'est à la sortie du tuyau que donc on obtiendra cette huile essentielle. Et ce qui reste dans l'alambic, c'est ce qu'on appelle l'eau florale ou l'hydrolat. C'est une préparation beaucoup plus légère, très 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 légère, qui là va convenir aux soins des bébés, avec l'eau de bleuet, on soigne les yeux, etc. Mais ça n'est pas du tout la même chose que les huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça concentre l'essentiel des molécules actives aromatiques qu'il y a dans la plante. Et puis, il reste un dernier moyen de distiller, d'obtenir une huile essentielle, c'est pour les fleurs. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a des fleurs qui sont très fragiles. Donc, il faut ce qu'on appelle l'enfleurage. On étale les pétales sur une couche de cire. On laisse tous les composants se dégager dans la cire. Et après, c'est cette cire qu'on va passer dans un alambic pour en récupérer l'huile essentielle. Donc, vous voyez, il y a des processus qui sont différents selon les plantes, selon la partie des plantes qu'on va utiliser et qui tous aboutissent à la même chose, c'est-à-dire une substance extrêmement concentrée en principes actifs et extrêmement riche. Il faut savoir que dans une huile essentielle, il peut y avoir jusqu'à 300 composants différents et ces composants sont jusqu'à 200 fois plus concentrés que dans la plante d'origine. Donc, c'est pour ça qu'on parle parfois de petites bombes thérapeutiques. C'est vrai que les huiles essentielles sont extrêmement concentrées. C'est pour ça qu'il faut les utiliser avec prudence et surtout jamais augmenter les doses qui sont toujours de l'ordre de la goutte parce que c'est adapté à leur contenu. D'accord, bah, c'est très clair, très belle introduction, effectivement, on a tout compris. Bravo pour ce sens pédagogique. Je me tourne vers le docteur Rougier et j'ai envie de lui demander, ok, ces petites bombes thérapeutiques dont parlait Marie, comment agissent-elles, influencent-elles, agissent-elles dans l'organisme en fait? Alors Philippe, Louis, Marie, bonjour. C'est vraiment le terrain de prédilection de Marie et je m'en réjouis. Et en même temps, j'ai très heureux que vous m'invitiez à participer parce qu'on peut faire un vrai lien. Vous savez que je suis un inconditionnel de la médecine des preuves. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les neurosciences parce que ce qui était du domaine, je dirais, de l'hypothèse pendant la moitié du XXe siècle, c'est devenu une réalité au niveau d'analyse du cerveau avec les IRM et les choses comme ça. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans les huiles essentielles, j'aime les médecines naturelles qui sont, je dirais, intégratives parce que c'est une sagesse
thérapeutique collectée avec au fur et à mesure des siècles et des millénaires, et qui a forcément à l'intérieur une part, je dirais, de vérité toujours respectueuse du corps humain. Et ça, c'est très intéressant. Je n'ai rien à rajouter à l'introduction de Marie. Par contre, je peux faire un parallèle en rappelant toujours que le médicament est une molécule qui a été extraite d'une plante, et on a prouvé que c'était thérapeutique, et de cette extraction, on va la concentrer. Par exemple, si on concentre la molécule active de la reine des prés, on découvre que c'est l'acide acétyl salicylique ou du saule salix alba, ça existe également à l'intérieur, eh bien, on va s'apercevoir qu'à un moment, à force de concentrer cette molécule, on va déboucher sur l'aspirine. Ça a été déposé sous ce nom-là, donc l'acide acétyl salicylique, Bayer, il y a très longtemps, aspirine. Le médicament concentre pour 90% du gros dictionnaire rouge de la médecine, le Vidal, 90% sont des molécules provenant des plantes à plus ou moins forte concentration. Plus la concentration est forte jusqu'à arriver au médicament, plus il y aura évidemment un effet thérapeutique rapide et également des effets secondaires. Pourquoi ? Parce qu'on donne un ordre au corps. C'est à retenir, un médicament donne un ordre au corps, alors que toute la phytothérapie propose des modifications du terrain, donc des approches qui vont être plus respectueuses du corps. Alors, mon discours pourrait faire un tout petit peu à lui, c'est un inconditionnel de la médecine naturelle, et c'est un ennemi du fameux Big Pharma. Pas du tout. La médecine des hommes, ce que j'appelle la médecine biologique et la médecine moléculaire, sauve des milliers de vies chaque jour. Et cette médecine est réservée vraiment aux cas aigus. Et dans tout ce qui est tout ce qui va toucher, par exemple, la chirurgie, où il faut des anesthésies, puis réveiller, puis maintenir la tension artérielle, puis faire diminuer l'inflammation, puis lutter contre certaines infections, etc. Nous sommes spectaculairement forts au niveau de la médecine des symptômes aigus et des maladies aiguës. Mais on s'aperçoit, depuis maintenant une vingtaine d'années, que la médecine moléculaire a voulu aussi répondre à des maladies chroniques. Marie en connaît une très bien, tout ce qui va être fatigue chronique, fibromyalgie, les maladies de peau au niveau chronique, les maladies nerveuses au niveau chronique, les maladies digestives. Bref, on peut repasser toutes les spécialités en maladie chronique. À partir du moment où quelque chose devient chronique, ça veut dire que le médicament, solution de cette maladie, n'existe pas. Sinon, on le donnerait et ça serait fini. Et au niveau symptomatique, la médecine moléculaire est vraiment moins à l'aise que la médecine naturelle, puisqu'elle propose sur du long cours des traitements moléculaires qui ont des effets secondaires, et on s'aperçoit qu'au long cours, les effets secondaires sont majorés, et que la saturation des sites impose une augmentation des doses au fur et à mesure. Donc là, je dirais que les huiles essentielles, je les emploie à minima, parce que je maîtrise certaines choses très bien. Ce que je maîtrise bien dans les huiles essentielles, c'est tout ce qui vient des études cliniques. Et là, c'est très important de souligner que les huiles essentielles, il y a eu plusieurs thèses sur le sujet, ont des études cliniques à la hauteur de celles qui formatent certains médicaments, notamment au niveau dermatologique, au niveau de tout ce qui est trouble de l'humeur, au niveau de tout ce qui est désordre nerveux. Et c'est très important de se rendre compte que, c'est comme ça que je le décris, qu'entre une phytothérapie qui va être, d'ailleurs l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie, mais la phytothérapie comme je la conçois, c'est-à-dire médecine de terrain, à partir d'infusions, de décoctions, le résultat est moins spectaculaire, mais modifie le terrain et sur la durée, on a de meilleurs résultats souvent avec une phytothérapie au long cours qu'avec un médicament au long cours sur les maladies chroniques, ne mettant pas en danger, il n'y a pas de risque vital. Donc je dirais, et ça donne toutes les lettres de noblesse à ces molécules qui ont été pas encore assez scientifiquement établies, même s'il y a de plus en plus de thèses, les huiles essentielles sont un pont jeté entre la phytothérapie ancestrale, historique, et la médecine des hommes, le médicament.
Et c'est très intéressant au niveau des modifications de terrain. Et on va voir qu'on modifie d'autant plus le terrain que le mode d'administration, qui peut être juste au niveau de sentir ou au niveau transcutané, c'est ce que je pratique, parce que ça marche très bien. Ça a la propriété de passer dans le sang, c'est magnifique. Et en ingestion, ça c'est réservé aux thérapeutes, on va s'apercevoir que les huiles essentielles arrivent quand même à donner un ordre au corps, tout en respectant notre propre médecine du corps, parce que cet ordre est donné par une molécule, comme Marie l'a souligné, englobée dans une foultitude d'autres molécules naturelles qui vont aller atténuer et répartir, et je dirais diriger l'action thérapeutique là où nous en avons besoin, en préservant les équilibres du corps. Donc un grand plaisir d'être présent, plus comme spectateur bienveillant, parce que j'aime beaucoup ce que fait Marie, et c'est une grande professionnelle dans les médecines naturelles, parce qu'elle sait tenir afficher les promesses et en même temps toujours les limites. Et on devrait être nous-mêmes médecins un peu plus, je dirais, humbles, en affichant plus régulièrement nos promesses, et nous sommes très fiers des médicaments, et j'en suis très fier, mais également nos limites. Et je crois que le grand public actuellement revendique cela dans une plus grande transparence des études cliniques. On a vu récemment une petite dizaine de scandales sur les médicaments. Ce n'est pas normal. Il faut garder toutes les lettres de noblesse aux médicaments, toutes les lettres de noblesse aux médecines ethniques, et bien comprendre que médecine des hommes et médecine du corps sont juste synergiques pour, à mon avis, donner naissance à une médecine réelle du 21e siècle, plus humaine et qui prendra en considération l'être humain dans son ensemble. D'accord, merci pour votre réponse, votre première réponse, tout à fait complète comme d'habitude. Je rebondis sur une partie de cette réponse. Vous avez parlé des différents modes d'administration de ces huiles essentielles, donc d'utilisation, hein, je vais dire plus simplement. Est-ce que je peux demander à Marie de nous faire une sorte d'inventaire en nous donnant quelques petits exemples? Absolument. Je Merci. vais m'en faire un plaisir. Alors d'abord, je voudrais bien faire la différence entre deux choses. Les huiles essentielles peuvent se prendre par voie interne, comme un médicament. C'est réservé à la prescription médicale. Les huiles essentielles par usage interne, ce n'est pas qu'elles soient dangereuses, c'est que c'est d'une utilisation très précise et qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc, par voie interne, on consulte un phytothérapeute, aromathérapeute qui vous donne une ordonnance et vous faites faire en pharmacie, selon les cas, des ovules, des gélules, des suppositoires même, qui vont être pris de la même manière qu'un médicament. Mais il ne faut pas s'amuser à ça tout seul. Il faut le laisser à la prescription médicale. Il reste tout un secteur que l'on peut expérimenter soi-même, que l'on peut explorer, qui est celui des autres modes d'administration. Ça pénètre comment dans le corps les principes actifs des huiles essentielles? Ça pénètre quand on les avale, je viens de le dire, mais ça pénètre aussi quand on les respire, parce que les principes actifs qui sont dans les huiles essentielles sont très volatiles. Quand vous ouvrez un flacon d'huile essentielle, il y a un parfum assez fort qui s'en dégage. Ce sont des molécules aromatiques qu'on va respirer et les parois nasales et puis après les parois aussi, enfin le tissu pulmonaire sont très très vascularisés et les principes actifs passent dans le sang à travers les parois et vont se répartir dans tout l'organisme sur les zones où on en a besoin. Donc ça, c'est une première voie qui va surtout concerner les inhalations sèches ou humides. Et la deuxième grande voie, c'est la voie transcutanée, c'est-à-dire que quand vous mettez une huile essentielle, le plus souvent diluée dans une huile végétale pour qu'elle ne soit pas irritante, ça on y reviendra, quand vous mettez une huile essentielle sur votre peau et que vous la faites pénétrer, elle traverse la barrière cutanée et de la même manière, elle va rejoindre, elle va rentrer à travers les parois des petits vaisseaux sanguins dans le flux sanguin qui va après les distribuer dans tout l'organisme. Donc même si on a l'impression que se mettre un peu d'huile essentielle sur la peau, ça n'a rien à voir avec un bon traitement par voie orale, ça n'est pas vrai. Ce sera peut-être un petit peu moins rapide, un petit peu moins puissant, mais c'est une voie d'administration
tout à fait efficace et qui a été maintes fois prouvée et démontrée. Alors ça, ça concerne quoi comme voie d'administration ? Ça concerne soit les grands massages, soit les frictions locales. Quand on a mal à une articulation, on n'est pas obligé de se masser tout le bras, on peut se masser juste la petite région concernée. Ça concerne aussi tous les bains. Que ce soit le bain complet, que ce soit les bains de main, les bains de pied, les bains de siège même, il y en a qui aiment bien les bains de siège. Donc, tout ce qui consiste à tremper le corps entier ou une partie du corps dans une eau chargée en huile essentielle va être tout à fait efficace et va permettre au principe actif de rejoindre la circulation sanguine pour être distribué dans l'organisme. Les voies principales, c'est ça. On en a fait le tour, mais ça laisse quand même pas mal de loisir d'expérimenter sans prendre de risques sur soi les huiles essentielles qui sont en plus souvent qui donnent lieu à des traitements assez agréables, c'est-à-dire le fait de se faire par exemple masser les épaules quand on a passé la journée assise, je vous parle de ça parce que c'est un problème que j'ai souvent, de se faire masser les épaules ou de se masser les épaules soi-même avec de l'huile essentielle de lavandin qui est un décontractant musculaire important, c'est un geste qui apporte du bien-être, c'est une odeur qui vous enveloppe, enfin, il y a quelque chose de très agréable, de très sensoriel qui dépasse le cadre du médicament dès qu'on utilise des huiles essentielles. D'accord, c'est précis. Au niveau de la diffusion, de ce qu'on appelle la diffusion, j'aimerais bien savoir si effectivement ça a un impact d'utiliser une huile essentielle en diffusion aussi. Absolument, absolument. Ça a un impact. Quand vous diffusez dans l'atmosphère une huile essentielle, ce sont ces mêmes micro-gouttelettes de cette matière huileuse chargée en principe actif qui vont se répandre dans l'atmosphère de la pièce, qui vont avoir toujours un côté antiseptique. Les huiles essentielles sont toujours toutes antiseptiques, plus ou moins. Elles sont toutes capables de tuer les bactéries, certaines de tuer les virus, les champignons, les parasites même. Donc ça, c'est un effet transversal des huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles ont peu ou prou cette vertu-là. Et quand on les diffuse dans l'atmosphère, eh bien, on respire ces gouttelettes et de la même manière que quand on fait une inhalation précise parce qu'on tousse, par exemple, ça sera plus diffus si on diffuse l'huile essentielle, mais l'effet thérapeutique est là. D'accord. Avec, il faut savoir comment on les diffuse. Il vaut mieux, bon, on utilise en général un petit appareil, maintenant on en trouve, c'est pas très cher. Il faut essayer de privilégier les appareils qui ne chauffent pas les huiles, qui les diffusent sans les chauffer, parce que la chaleur a tendance à modifier et à diminuer l'efficacité des principes actifs. D'accord. Petite question, donc je m'adresse au docteur Yannon Rougier et à Marie, celui qui veut prendre la parole sur ce sujet. Les huiles essentielles ont chacune des propriétés bien particulières. Et il y a la possibilité de les combiner, de les faire travailler en synergie. Alors, lesquelles il faut utiliser en synergie, lesquelles il faut utiliser en solo ? Comment ça fonctionne, ça ? Alors, d'abord, je voudrais préciser que quand vous regardez un flacon d'huile essentielle, vous avez le nom de la plante et souvent une précision à côté. Par exemple, l'eucalyptus, vous allez avoir de l'eucalyptus radié, radiata, ou de l'eucalyptus citronné, il y en a beaucoup d'autres. L'eucalyptus radiata, il agit sur les bronches, donc c'est celui qu'on va prendre en inhalation quand on a un bon rhume ou un début de grippe. L'eucalyptus citronné n'a pas du tout ces vertus-là. L'eucalyptus citronné, c'est un anti-inflammatoire qu'on va pouvoir passer sur une articulation douloureuse, par exemple, pour calmer l'inflammation. Donc, ils ont beau tous les deux s'appeler eucalyptus, il faut faire très attention à quel eucalyptus. C'est pareil avec le romarin, il y a plusieurs types de romarin, la lavande, il y a plusieurs types de lavande, le thym, il y a plusieurs types de thym. Donc, il faut toujours faire bien attention quand on achète une huile essentielle à ce que ça soit la plante précise dont on a besoin et pas juste un nom générique couvrant toutes les variétés. Ça, c'est la première chose. J'ai même vu, pour compléter un petit peu ce que vous dites, que certaines plantes, et là je pense à l'oranger amer, sont capables de produire en fait
différentes huiles essentielles qui sont assez connues d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Plante, oui, voilà. Oui. Selon qu'on distille, pour l'orange amer, par exemple, selon qu'on distille l'écorce ou les feuilles, on va obtenir une huile essentielle ayant des composants tout à fait différents et donc des vertus tout à fait différentes. Donc, quand on achète, par exemple, pense à la mandarine verte, elle est extraite des feuilles, la mandarine rouge, elle est extraite de l'écorce fraîche. Et ces deux huiles sortant de la même plante vont avoir des applications très différentes. D'accord. Donc, c'est quand même très compliqué à utiliser. Il faut savoir effectivement exactement à quoi correspond telle ou telle huile essentielle et en plus prendre la bonne version de cette huile-là. On est d'accord. Oui, mais ce n'est pas si compliqué que ça parce que là, je vous explique toutes les subtilités. Mais il y a quand même certaines huiles essentielles qui sont très faciles à utiliser. Je pense à la lavande, par exemple. La lavande, pour commencer, c'est une huile merveilleuse. On risque rien, elle n'est pas irritante pour la peau, on peut la mettre pure sur la peau, elle n'est pas du tout irritante. Elle a un tropisme autour de toutes les maladies de peau. Donc, même si on dit que pour les brûlures, la lavande aspic va être plus efficace que la lavande vraie, la lavande officinale courante, c'est vrai, mais il n'empêche que la lavande officinale courante va aussi permettent de cicatriser les brûlures. Donc, certaines huiles essentielles comme ça sont d'un usage facile, agréable. On peut essayer sans prendre de risques et couvrir tout ce que cette plante est susceptible d'apporter. Et ça va être donc pour la lavande, la peau et le stress. Voilà. D'accord. De toute façon, ce type d'exemple, je pense qu'on va être amené effectivement à se faire une liste des valeurs sûres et qui sont faciles à utiliser. Je pense que ça intéressera pas mal de monde. Je vous reprends un petit peu, Marie, pour revenir sur une question que je vous avais posée, à savoir en solo ou en synergie. Alors, toutes les huiles essentielles peuvent être utilisées en synergie, à condition qu'elles soient compatibles, c'est-à-dire soit qu'elles aient toutes les deux le même tropisme. Je reprends l'exemple des maladies d'hiver, des infections respiratoires courantes. Vous allez pouvoir utiliser une huile essentielle qui a un effet directement antiseptique et puis une huile essentielle qui va avoir un effet apaisant sur le tissu pulmonaire. Donc, l'ensemble que vous allez créer, c'est pas n'importe quoi, c'est pas deux huiles séparées, c'est pas j'ai mal au ventre et puis j'ai un rhume, donc je vais prendre en même temps une huile essentielle pour le mal au ventre et une pour le rhume. Non, vous avez un rhume, traitez le rhume. Et si en même temps vous avez mal au ventre, ben 2 heures après vous allez traiter le mal au ventre. C'est quand on mélange les huiles essentielles, c'est qu'elles ont en commun le fait d'agir à un certain niveau de l'organisme. D'accord. Ça, par exemple, pour le sommeil, j'imagine qu'il y a des synergies. On avait fait une conférence dédiée au sommeil, et là, effectivement, on avait parlé de pas mal de synergies possibles au niveau de la résolution des troubles du sommeil. Bah, il y a un certain nombre d'huiles essentielles qui ont globalement des vertus apaisantes, calmantes, donc qui permettent en fin de journée de faire baisser le niveau de stress. Et c'est cet effet-là qui va permettre d'entraîner plus facilement le sommeil. Mais là aussi, on peut soit utiliser une huile toute seule, si on aime beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger, par exemple. On peut utiliser le néroli, qui est une huile essentielle extraite de la fleur d'oranger. Mais si on préfère la lavande, on peut utiliser la lavande. On n'est pas obligé de les mélanger, mais on peut. Voilà, on a aussi avec les huiles essentielles, tant qu'on ne touche pas à la voie interne qui est réservée aux thérapeutes, je le répète, on a quand même la possibilité de faire en fonction de ses goûts, de ce qui est agréable, de ce qu'on aime, et c'est une façon aussi de mieux accepter le traitement, d'en faire un outil quotidien qui, en plus de soigner, a quelque chose d'agréable. D'accord. Donc après, oui, effectivement, c'est une question de goût et de préférence personnelle et de parfum, j'imagine. Oui, oui, c'est aussi une question de parfum, à partir du moment où on choisit entre deux huiles essentielles qui ont des vertus très proches. Je me retourne vers le docteur Rougier pour lui montrer qu'effectivement, il a encore beaucoup de choses à nous raconter. Est-ce que lui, en tant que personne, je n'ai pas dit en tant que docteur, mais en tant que personne,
Il utilise des huiles essentielles, le docteur Rougier. Et si oui, pourquoi? Alors, je vais vous faire une réponse en double casquette, comme personne, Yann Rougier, comme médecin. J'utilise les huiles essentielles parce que, même si j'ai eu une formation hospitalière très moléculaire, j'ai toujours été extrêmement intéressé par ce qui était chronique. Et vous le savez, cher Philippe, je me suis passionné pour les neurosciences. Et les neurosciences renvoient toujours, parce que je crois que je le cite presque à toutes les fois où vous m'invitez, mais c'est quand même très important de se souvenir de ça si on veut parler d'un être humain global. Tout ce qui est vivant et humain, donc l'être humain, respire, se nourrit, se protège, ça va, le mouvement en fait partie, mais en même temps la détox cellulaire, pense et ressent des émotions. On voit qu'il y a donc évidemment forcément un versant qui est purement nerveux et psychique, un versant qui est très, je dirais, matériel, la nourriture, et un versant intermédiaire qui est ce qui gère notre corps, le mouvement et la détox. J'aime beaucoup les huiles essentielles parce que, comme je l'ai exprimé déjà, j'ai trouvé à l'intérieur, comme la phytothérapie, des réponses qui peuvent toucher le terrain. Qu'on le veuille ou non, par exemple sur les maladies de peau, et je sais que j'ai un confrère dermatologue aujourd'hui qui nous écoute et qui nous a rejoints, et il sait qu'il partage ma vision. La dermatologie en tant que telle, effectivement, c'est la spécialité qui s'occupe des problèmes de peau. Et je l'ai toujours taquiné en lui disant qu'on ne devrait jamais être dermatologue sans être au minimum psychologue ou psychiatre en même temps, parce que ça va ensemble. C'est le même feuillet de l'embryon qui crée le système nerveux et la peau. Donc, beaucoup de maladies de peau chroniques ne sont pas traitées par l'extérieur à coups de médicaments, de crèmes, de corticoïdes, d'antibiotiques, mais bel et bien par une rééquilibration, un rééquilibrage du notre système nerveux. Les neurosciences ne sont pas une médecine intégrative, c'est une médecine hospitalière, et on élargit tout simplement l'espace diagnostique et forcément ensuite pronostic et thérapeutique. Donc, pour répondre à votre question, en tant que particulier, oui, j'utilise les huiles essentielles et les plantes parce que je suis issu d'une famille traditionnelle qui les utilisait et j'ai vu les résultats. Ensuite, comme médecin, je répondrai plus précisément à votre question avec un clin d'œil et une anecdote. Il ne faut pas oublier que, je dirais, les lettres de noblesse de l'aromathérapie ont à peine un siècle. Et puis il y a un nom qu'on ne peut pas oublier parce que René Maurice Gattefosse, je trouve que c'est tellement merveilleusement français. Donc René Maurice Gattefosse était quelqu'un qui était chimiste parfumeur. Et dans son laboratoire, dans les années 1910, il y a une explosion. Il se fait gravement brûler les avant-bras. Et dans un réflexe stupide, enfin qu'il pensait stupide, il voit une cuve avec ce qui était l'équivalent de l'eau. Il met ses mains dedans, enfin ses avant-bras dedans, pour limiter, je dirais, la sensation de brûlure et de douleur. C'était de l'huile essentielle diluée, au demeurant, de lavande. Et la petite histoire raconte que la douleur s'en va très vite, il est très rapidement guéri et il cicatrise, il se régénère sans aucune cicatrice sur la peau. Il change de métier, entre guillemets, et il crée, 20 ans après, il se passionne pour les huiles essentielles, il crée le mot d'aromathérapie. Et vous connaissez la suite, ça a été repris par un grand nom aussi qui s'appelle Valné, hein, tout le monde, je pense, connaît ça. Et un troisième nom très important, Philippe, et qui va répondre à votre question et en même temps aussi à ce que vient de dire Marie, c'est Maurice Giraud. Maurice Giraud s'est intéressé en 71 aux travaux de Valné et effectivement de Gattefosse avec quelque chose d'assez incroyable, et Marie l'a souligné. C'est quasiment toutes les huiles essentielles, on va dire 80%, pas toutes, mais 80%, ce qui est déjà énorme. Enfin, on va dire que 95% sont antiseptiques et 80% sont virucides ou bactéricides. Et Giraud a une idée, il va étudier in vitro au début et ensuite in vivo l'action des huiles essentielles sur les principales bactéries et virus et levures qui viennent nous empoisonner la vie. Et il crée le mot d'aromatogramme, de même qu'il y a des antibiogrammes, il y a un aromatogramme. Et à partir de cela, eh bien, en fonction d'une sensibilité, on combine des huiles essentielles qu'on fait préparer en pharmacie et on les ingère ou par voie orale, ou ça existe pour les dames, voie vaginale ou voie rectale pour tout le monde. Et avec vraiment un très grand succès pour des infections chroniques récidivantes.
Et actuellement, il y a eu des études cliniques qui ont été menées. Il y a un vrai pouvoir bactéricide, virucide. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux usages. Et c'est pour ça qu'actuellement en France, en Allemagne, c'est un tout petit peu mieux codifié. Ça reste assez mystérieux, cette huile essentielle, parce que la phytothérapie commence à être reconnue, le complément alimentaire est légiféré, les plantes sont légiférées avec des allégations de santé. Ce qu'on peut utiliser, pas utiliser, ce qui est réservé aux pharmacies, aux thérapeutes, c'est pas mal. Les huiles essentielles sont encore un tout petit peu dans un flottement hein, au niveau de la législation. Et c'est pour ça que Marie, et je la rejoins, et si j'ai été invité et que j'ai accepté cette invitation, c'est parce que je sais que Marie est éthique sur le sujet. C'est-à-dire que la voie orale se rapproche quand même relativement de la voie médicamenteuse, d'une forme de voie médicamenteuse, parce que ces huiles essentielles concentrent les principes actifs d'une plante, moins que le médicament, plus que la phytothérapie standard. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un pont entre les deux. Et je pense qu'à titre médical, quand j'ai une infection récidivante sur une plaie, sur du pulmonaire, sur des personnes âgées, sur des résistances aux antibiotiques, je me tourne sans hésiter vers un aromatogramme et la composition de gélules. Ça, je remets ça à des professionnels qui peuvent être effectivement aromathérapeutes. Et de nombreux médecins maintenant ont fait cette spécialisation. Donc, vous voyez, il y a vraiment une partie que je trouve, médecine des hommes, c'est vraiment la seule branche de la phytothérapie que je trouve à cheval sur la médecine des hommes avec de vrais résultats médicamenteux et sur la médecine du corps avec des vrais rééquilibrages. Et Marie l'a souligné, cette molécule agit, passe très rapidement dans le sang, elle va cibler un organe ou un système à rééquilibrer. Et en même temps, il y a des molécules extrêmement volatiles, c'est-à-dire que, je l'avais déjà expliqué, mais l'odorat est l'un de nos sens qui est en même temps un sens, de sensoriel, et en même temps qui est relié en ligne directe avec une partie de notre cerveau qui renvoie à la mémoire, surtout à la mémorisation ancienne, et au centre des émotions, cortex singulaire antérieur et cerveau limbique, des choses que les gens connaissent maintenant. Donc, tout ce qui est le cerveau émotionnel qui est niché au centre de notre cerveau. Et c'est là où je trouve qu'elles sont très intéressantes, ces huiles essentielles, parce que pour quelqu'un comme moi, passionné au niveau des neurosciences, eh bien, on voit que les fameux 5 facteurs, il n'y a aucun médicament qui peut vraiment agir et sur le psychologique et en même temps sur l'organique en tant que tel. Là, on voit que l'on peut avoir une action de rééquilibrage du corps, du terrain, et en même temps cette action précieuse sur le côté ce que j'appelle appeler somatopsychique ou psychosomatique, c'est-à-dire quelque chose qui va, contre le stress, contre des émotions mal gérées, va adoucir en même temps tout notre système nerveux. Et donc, oui, comme médecin, je m'en sers. Et maintenant, cher Philippe, je sais que vous êtes sensible à la pratique. Donc, je vais donner des idées. Ensuite, je passe la parole à Marie parce que moi, je dirais que je suis un suiveur au niveau de l'aromathérapie. Je ne suis pas créatif. Je transmets ce qui est scientifiquement prouvé. Donc, je vous ai dit que ça avait donné des preuves scientifiques versus placebo. Pour tout ce qui est dermatologique, c'est magnifique, les huiles essentielles. Pour tout ce qui est anxiété, voire en complément au niveau de la dépression et du burn-out, et également au niveau de tout ce qui va être les infections nosocomiales, très précieux dans les hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux se sont mis aux huiles essentielles pour éviter la résistance aux antibiotiques. C'est une merveilleuse, merveilleuse idée. Et des réanimations et des hospitalisations, je dirais, de top niveau. À la Pitié-Salpêtrière, je sais que ça existe l'hôpital Georges Pompidou, que je connais bien à Paris, ça existe à Bordeaux, ça existe à Toulouse, ça existe à Strasbourg. Donc, vous voyez, il y a un intérêt, avec maintenant des précisions apportées au niveau encore plus d'études cliniques et une vraie faut légiférer sur le sujet. Mais pour l'instant, et je trouve que ce que l'on essaye de transmettre aujourd'hui est précieux, on peut utiliser tous les effets thérapeutiques de ces huiles essentielles sans danger, en restant dans un cadre standard, par le transcutané, et ça c'est déjà vraiment fantastique, par également la respiration. Donc je donne une formule que j'aime beaucoup, c'est le mélange orange, néroli et lavande. Les personnes par exemple qui
qui sont sujets à des crises de stress, d'angoisse, etc. Vous avez le flacon sur vous, un petit peu sur les avant-bras, vous frottez, un petit peu à ces zones-là qui sont juste ici, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, et vous respirez le flacon. Pas longtemps, une petite minute. Tous mes patients me rapportent une meilleure maîtrise, une diminution d'abord du stress et une meilleure maîtrise de, je dirais, de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils peuvent repartir sur de bonnes bases. Donc, vous voyez ce mélange. Et sachez aussi, pour les gens qui nous écoutent, ça peut vous intéresser. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Toutes les personnes, même si ce n'est pas moi qui ai proposé ça, parce que vous savez que j'ai ma vision aussi des régimes minceurs. Je ne crois pas au régime minceur, je crois au programme minceur qui intègre prioritairement, je dirais, le rééquilibrage du système nerveux, parce que tout dépend de notre système digestif dépend du système nerveux. Toutes les personnes qui font un régime, quel qu'il soit, je leur donne cette formule, Marie la complétera certainement, et cette formule, dès qu'ils ont une fringale, quelque chose où ils ont de la boulimie, des choses comme ça, hop, hop, et respirer, et tout le monde me dit, je peux attendre jusqu'au repas de midi, je ne grignote plus. Donc c'est une formule anti-stress et en même temps anti-fringale, et je viens de vous livrer une de mes formules favorites au niveau pratique. J'en ai que deux ou trois. Marie va vous livrer la suite. Je voudrais compléter quelques petites bricoles au niveau du pratique avant tu qu'on le peux, rentre. Tu le peux. Avant qu'on rentre dans le détail des huiles essentielles qu'on utilise pour ceci ou pour cela. Sur le plan pratique, il est extrêmement important de choisir des huiles de bonne qualité. Absolument. Pourquoi ? Parce que ça commence à s'arranger maintenant, mais il y a encore quelques années, on trouvait des flacons avec marqué huile essentielle qui étaient en partie synthétiques, par exemple. Donc, il faut choisir une huile essentielle 100% pure et naturelle. Ça, c'est la base. C'est comme ça que c'est libellé. C'est huile essentielle 100% pure et naturelle. Et il vaut mieux vraiment les choisir bio. Pour une raison très simple, c'est que le processus de distillation des huiles essentielles concentre les principes actifs, mais concentre aussi tous les polluants qui peuvent être dans la plante. Donc, si c'est une petite bombe thérapeutique, la goutte d'huile essentielle, ça peut être aussi une petite bombe polluante. Donc, c'est il faut choisir des 100% pur et naturel et bio de façon à être bordé de ce côté-là. Et un autre petit point sur lequel je voulais revenir, c'est que tout à l'heure, je parlais des bains. Si pour prendre un bain, vous mettez vos huiles essentielles directement dans l'eau, elles ne vont jamais se mélanger. Vous allez avoir des petites gouttes qui vont rester à la surface. Et si c'est une huile essentielle un peu irritante pour la peau, entre l'irritation et la chaleur, vous allez très vite sortir de votre bain en courant parce que ça va être très désagréable. Donc, pour éviter ça, il faut d'abord mélanger l'huile essentielle à un produit de base qui va permettre sa diffusion. Il y a plusieurs méthodes qui existent. La mienne, ma préférée, c'est de les mélanger dans un peu de bicarbonate. Parce que le bicarbonate assure la diffusion de l'huile essentielle. Vous mettez votre goutte dans un peu de bicarbonate, vous mélangez. Très vite, l'huile essentielle se diffuse dans le bicarbonate. Et quand vous allez mettre votre cuillerée ou votre petite tasse de bicarbonate dans l'eau, ça va permettre la diffusion de l'huile essentielle. Et en plus, le bicarbonate a des fonctions au niveau de la peau. C'est un rééquilibrant du taux d'acidité cutanée. C'est un anti-calcaire. Si l'eau chez vous est très calcaire et que vous sortez de la baignoire d'habitude avec la peau qui gratte, ben le fait de mettre vos huiles essentielles dans du bicarbonate, ça va aussi agir à ce niveau-là. Donc, c'est un petit truc très simple. Il y en a qui le font en le mettant dans du jaune d'œuf, en le mettant dans de l'huile. Moi, j'aime beaucoup la version bicarbonate qui peut être utilisée vraiment aussi bien pour les grands bains que pour un petit bain de pied ou des petites choses comme ça. D'accord. Est-ce que on a perdu Philippe? Bah oui, je vois qu'il est emmuré. Notre corps. Je ne sais pas s'il avait encore des questions, mais moi j'en ai plein. Alors là, les gens qui nous regardent ont énormément de questions. Peut-être qu'on peut passer aux questions de nos spectateurs. Allons-y. Alors, première question qui nous vient de YouTube, puisqu'on est live aussi sur YouTube. Question intéressante. Armand Lux nous demande, certaines huiles essentielles sont-elles des
perturbatrice endocrinienne. Merci. Après, si, il peut y en avoir. Par exemple, il y a une huile essentielle qui s'appelle l'épinette noire, qui est une huile essentielle qui active la production de cortisol. C'est-à-dire que quand on la passe en cutané comme ça sur la région des glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, comme c'est elles qui produisent une grande partie du cortisol, ça stimule la production de cortisol. Donc, on va dire que c'est une perturbation endocrinienne. C'est peut-être pas le bon mot, mais ça agit au niveau de certaines productions hormonales. Mais ça concerne des huiles très spécifiques qui ont dans leur descriptif, dans leur carte d'identité, le fait qu'elles ont une action au niveau hormonal. Ça ne veut pas dire qu'elles perturbent le fonctionnement hormonal, mais ça veut dire qu'elles ont une action au niveau d'une hormone particulière et qu'il faut prendre ça en compte quand on veut s'en servir. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que certaines huiles essentielles sont restreintes au niveau de la vente? Là, j'ai une question de Velchanou qui nous dit « Les huiles essentielles sont disponibles en libre-service en pharmacie ou en parapharmacie. Voie orale possible sans la prescription médicale. Marie, vous dites uniquement sur prescription. Comment un pharmacien fera la différence entre les différents modes d'administration ?» Bah, le pharmacien, il ne peut pas faire la différence. Hein. Il vous croit. Vous arrivez en disant « je vous achète une huile essentielle pour faire un massage ». Si en rentrant chez vous, vous avalez le flacon entier, il n'y sera pour rien, le pharmacien. C'est là où, comme le disait Yann tout à l'heure, c'est vrai que c'est un secteur qui aurait besoin d'être mieux encadré pour la distribution, la qualité des huiles, les conseils d'utilisation, etc. Ça serait bien que ça soit plus encadré. Après, c'est aussi une huile essentielle, une forme thérapeutique qui est très responsabilisante parce que c'est une prise en charge. Quand on prend l'habitude d'utiliser les huiles essentielles au quotidien, on est dans une démarche active par rapport à sa santé, à l'entretien de sa santé. Et ça, c'est un outil intéressant parce que ça permet, selon l'expression consacré du docteur Rougier, de devenir acteur de sa santé et acteur au quotidien. Elles permettent ça, les huiles essentielles, à côté de l'utilisation vraiment thérapeutique de la prescription pour les voies orales. Pour le reste, on est dans un domaine de responsabilisation individuelle et c'est intéressant sur le plan global de l'équilibre des êtres fragiles que nous sommes. Oui, j'avais posé la question dans le chat si les gens étaient pour ou contre l'administration orale des huiles essentielles. J'ai Rose qui nous dit « Peut-on mettre les huiles essentielles dans des gélules vides ?» Ensuite, j'ai Patricia qui nous demande « Que pensez-vous de l'olfacto ?» Donc, beaucoup de questions en fait autour des voilà, est-ce que quelle est la meilleure… le meilleur moyen de prendre les huiles essentielles et aussi de rester prudent. Voilà, beaucoup de questions sur l'ingestion des huiles essentielles. Louis, je peux faire une réponse groupée, si tu me permets. Louis ? Vas-y, oui. je t'écoute. Ah, pardon, voilà, je ne savais pas si j'étais… Tout le monde peut m'écouter, là, a priori, le micro. Oui, tout le monde t'entend. Oui. Je voulais juste dire… Voilà, bon, on ne va pas peut-être ensuite, à force de questions… continuer à tourner longtemps dans ce cercle-là. Je pense que tout le monde a bien compris. Je rebondis sur ce que vient de dire Marie et elle a eu la gentillesse de me citer. Je pense, et on le voit très bien aujourd'hui dans ce que nous traversons actuellement, il y a effectivement, il y a quelque chose qui nous percute, c'est une maladie virale, et on voit très bien qu'on attend des réponses du gouvernement, qu'on attend des réponses des médecins. Le gouvernement pour les mesures qu'il prend et les médecins pour les médicaments et les solutions qu'ils peuvent nous apporter, ces médecins et ces chercheurs, bien entendu, puisque derrière, il y a de la recherche, vaccins, etc. Mais, et je le souligne souvent dans mes interventions, il ne faut pas oublier qu'à notre niveau, il y a, je vais peut-être un peu loin, mais je pense une forme de responsabilité civique à la hauteur de notre gouvernement et de notre médecin, c'est de prendre soin de notre santé. Il est formel, je disais ça récemment un ami qui est médecin et sa femme me disait mais enfin on va nous dire qu'on est responsable si on a un virus ou une bactérie ou si on a un cancer ou machin. Je ne parle pas peut-être de responsabilité directe, je parle de prise de conscience. Je dis ouvertement qu'en fonction des 5 facteurs du vivant des neurosciences,
que si on n'a pas d'activité physique, on est sédentaire sur le canapé toute la journée, si on mange n'importe quoi, si on prend des vidéos, des médias toute la journée qui vont nous stresser, et si on gère mal son relationnel émotionnel, eh bien on sera en mauvaise santé. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y a pas de contre-exemple. L'être humain est fait quand même pour avoir un encadrement de discipline. C'est une question de force intérieure. Je ne parle pas d'une discipline militaire, je parle d'une prise de conscience. Une partie de notre santé nous appartient. Je l'ai mis en introduction de mon site de neurosciences sur Internet. C'était une phrase d'un confrère, Denis Tejeff, qui disait « L'humanité est arrivée à un certain point et la recherche médicale à un certain point où elle ne pourra pas aller plus loin sans notre concours au niveau d'une prévention santé. » Nous sommes responsables de notre médecine du corps parce que personne d'autre que nous ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est là, j'ai entendu parler, donc je réponds en même temps. On parle de l'olfactothérapie. Ces huiles essentielles ont des propriétés au niveau de notre sang, des cellules, au niveau de l'odorat, au niveau de l'action organique elle-même. Donc, en fonction de ce que nous allons ressentir, il y a des gens qui ont un plaisir immense à ressentir les huiles essentielles. Et je l'ai dit tout à l'heure, de sentir un flacon, déjà, elles se sentent mieux. Mais tout le monde, peut-être, ne se sentira pas mieux. Il y a des gens qui ont besoin de choses pures et dures. Ils prendront à ce moment-là le côté plus médicamenteux des huiles essentielles. Et je réponds aussi à l'autre question. Oui, il y a maintenant des laboratoires qui mettent dans des gélules spéciales. On voit les petites gouttes d'huile essentielle qui circulent. Je ne me souviens plus du nom de la marque. Il y en a 2 ou 3 maintenant sur le marché. Et vous les ingérez, et elles sont dosées comme il le faut, et tout est, je dirais, extrêmement bien cadré, et là, est légiféré. Je dis simplement, et on va maintenant, il faut passer peut-être à plus de pratiques. Oui. Il y a des zones qui sont, les huiles essentielles, je l'ai dit, c'est un pont entre le médicament et la phytothérapie pure. Je reste un fervent défenseur de la phytothérapie en infusion, en décoction, etc., parce que sur le long cours, on transforme agréablement la biologie du corps. Par contre, cette aromathérapie, elle a le mérite d'exister et je dirais quelque part, elle est agréable pour les 5 facteurs du vivant. On sent, on ressent au niveau tactile, ça soigne à l'intérieur au niveau cellulaire et au niveau sanguin. Donc en 2 mots, oui, si on veut arriver, comme l'a dit Marie, acheter un flacon et l'ouvrir et le boire, je pense même que parfois même on peut en mourir, comme on peut mourir. Oui. En achetant de l'aspirine, si vous consommez les 10 sachets à 1 gramme d'aspirine qu'il y a dans un vulgaire sachet qu'on achète en pharmacie, vous mourrez d'une hémorragie digestive. Il y a, à un moment, il faut un peu de responsabilisation. Voilà. Comme ce que l'on affronte actuellement, il y a une partie qui appartient au gouvernement, et je l'ai cité dans une récente intervention, c'est comme lorsqu'on conduit sa voiture. Le gouvernement est responsable des routes, des feux, des ponts, il faut que ça soit solide et entretenu. Les garagistes entretiennent notre voiture et les carrossiers sont les médecins. Mais celui qui conduit la voiture, c'est vous. Vous devez la conduire en étant sobre, vous ne devez pas être alcoolisé, vous ne devez pas être drogué et vous devez penser de temps en temps à changer les pneus et les essuie-glaces. Si vous ressortez ivre dans une voiture avec des pneus lisses et avec des essuie-glaces déficients partant de pluie, vous avez toutes les chances de mourir et malheureusement de tuer d'autres personnes. C'est pareil pour les huiles essentielles. S'il vous plaît, c'est génial, les huiles essentielles. Réservez la voie interne au conseil d'un aromathérapeute. Voilà. Vous ne soyez pas apprenti sorcier. Par contre, vous, au quotidien, vous pouvez répondre à de nombreux petits maux chroniques, mais quasiment tout, avec l'aromathérapie, comme Marie vient de la décrire. C'est vrai qu'il y avait excusez-moi Marie, juste préciser, effectivement, sur les questions des gens, sur les animaux de compagnie, les chats, les enfants, oui, les femmes enceintes. Oui. Pas les chats. Les chats, il faut absolument donner d'huile essentielle aux chats. Oui. Les chiens, oui, les chats, non. Ils ne les supportent pas. Les chats et les femmes enceintes, non. Une femme enceinte, c'est une... Les enfants, non plus. Et les enfants en bas âge. Les enfants en dessous de 7 ans, non. Il y a des règles, mais pareil pour les plantes, même pour la nourriture, il y a des règles. Il faut arrêter le côté complètement assisté.
Quand on vous dit quelque chose, il faut que vous ayez suffisamment de courage interne et de travail sur vous-même pour aller vous renseigner. C'est le principe. C'est ça. On le voit bien aujourd'hui des fake news où quand il y a quelque chose qui vous fait ou sourire ou vous dit oh, c'est pas possible, on a tendance à le vérifier. Vérifier, ne donnez pas libre cours à toute cette folie médiatique actuelle sur les imbécilités qui peuvent être transmises des milliers de fois. Renseignez-vous, cultivez-vous pour votre santé. Marie. Je voudrais rajouter une Marie. Petite chose sur le plan pratique. Certaines, sur la peau, certaines huiles essentielles sont irritantes, voire carrément dermocaustiques, alors que d'autres ne le sont pas. Alors, il y a un moyen, celles qui ne le sont pas, on peut les utiliser pures sur des petites surfaces. Celles qui sont dermocaustiques, il ne faut pas. Donc, il y a un moyen très simple de savoir comment on tolère une huile essentielle, parce qu'il y a sa dermocausticité et il y a aussi la manière dont chaque peau, chaque épiderme va le tolérer. Donc, vous mettez une goutte, juste une d'huile essentielle, soit sur l'intérieur du poignet, soit dans le creux du coude, là. Et vous laissez faire et vous attendez 3-4 heures. Si au bout de 3-4 heures, il n'y a il n'est pas apparu de rougeur, de points, de démangeaison, etc., c'est que vous la tolérez bien. Alors après, sur des petites zones, vous pouvez utiliser pure les huiles essentielles qui ne sont pas irritantes et pas dermocaustiques. Pour les grandes surfaces, il faut toujours les mélanger avec une huile de base pour faire un massage total, par exemple. Pour des raisons, ne serait-ce que des raisons de rentabilité, hein, si vous mettez une bouteille d'huile essentielle entière sur votre corps, d'une part, ça va être beaucoup trop violent pour votre organisme et ça va vous coûter une fortune. Donc, voilà. On mélange, on prépare dans une petite coupelle, on met un petit peu d'huile de cuillerée à soupe, d'huile de base, par exemple. Et là aussi, on peut choisir vraiment les huiles de base qui ont les odeurs et les consistances qu'on aime, de l'avocat, du noyau d'abricot, de l'amande douce, de l'onagre, du germe de blé. Enfin, il y a énormément d'huile essentielle cosmétique de base. Et dans cette huile essentielle, vous allez mélanger en gros une dizaine de gouttes d'une huile essentielle ou d'un mélange d'huile essentielle que vous aurez choisi. Et c'est avec cette préparation-là que vous allez effectuer le massage total. Les applications pures, les frictions pures, c'est uniquement sur les toutes petites zones. Et après avoir vérifié la tolérance sur le creux du poignet ou le creux du coude. Alors, ça fait une heure que nous sommes ensemble et j'ai des questions ultra pratiques. Est-ce que ça t'intéresse, Philippe? Je vois que tu es de retour. Je suis de retour. Je m'excuse pour le petit problème technique auquel vous avez assisté en direct, mais je vois que tu as pris l'initiative de passer aux questions de tous les gens qui nous suivent. Donc c'est génial. En fait, c'est génial. Je voulais simplement savoir si on avait eu le temps de faire notre top 10. Des huiles essentielles. Encore. Par Marie. Donc on finira tout à l'heure. Non, faut commencer par ça. On commence par ça parce que j'ai beaucoup de questions justement. Quelles huiles essentielles recommander pour et trop petit. Exactement. Donc faisons le top. Alors, donc, je vais vous donner un choix tout à fait personnel hein, qui n'engage que moi. Peut-être que d'autres en feraient d'autres. Moi, dans mes huiles essentielles favorites, il y a bien sûr la lavande, qui est une huile essentielle absolument magnifique sur tout ce qui concerne les problèmes de peau et aussi sur tout ce qui est stress, sommeil, anxiété, etc. Donc, elle, c'est une base. Elle est très facile à utiliser. Donc, ça, on peut l'avoir à la maison. On peut l'utiliser sur les enfants. Bon, pas sur les bébés, mais elle a une bonne tolérance, même sur les enfants à partir de 8-10 ans. Donc, elle est parfaite. L'hélichryse italienne, qui est une grande huile essentielle circulatoire qu'on peut utiliser si on a des rougeurs sur la peau, si on a des problèmes de circulation dans les jambes, par exemple. C'est une grande, grande circulatoire, l'hélichryse, qui en plus s'utilise très facilement, même sur le visage, parce qu'elle n'est absolument pas dermocaustique. Et comme la lavande, en plus, elle a un effet cicatrisant. Elle stimule la cicatrisation. Après, j'en ai une que j'aime beaucoup pour toutes les douleurs de type douleur articulaire, choc, entorse, etc. C'est la Gaultérie couchée. C'est une huile essentielle qui a un effet anti-inflammatoire absolument
effarant. C'est plus efficace que toutes les pommades aux anti-inflammatoires qu'on trouve dans les pharmacies. Quand vous avez une tendinite, quand vous avez, je ne sais pas, moi j'ai eu il y a quelques années une capsulite de l'épaule très très douloureuse que j'ai en grande partie soignée avec de la Gaultérie. Donc tout ce qui concerne les articulations douloureuses, l'arthrite, l'arthrose, etc., la Gaultérie, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Qu'est-ce que j'ai après? Sur le plan infectieux, il y a trois grandes huiles essentielles qui sont antibactériennes et antivirales. C'est le Ravintsara, l'arbre à thé et le Niaouli. C'est une famille d'huiles qui ont déjà démontré... pas in vivo, mais in vitro, des vertus antibactériennes et antibiotiques et antivirales assez exceptionnelles. Donc, celles-là, c'est bien de les avoir à la maison, pas forcément les trois, on peut en choisir, en avoir une, en avoir deux, mais c'est les trois qui sont le socle de toute l'action antimicrobienne au niveau des huiles essentielles. Donc, celles-là, je les aime beaucoup. Arbre à thé, hein, titris. Arbre à thé, oui. Donc, c'est un melaleuca. L'arbre à thé, de son nom latin, c'est Melaleuca alternifolia. Alors, avant de poser la même question au docteur Yann Rougier, parce qu'évidemment, il a lui-même sa propre sélection à nous proposer. C'est vrai. Je tiens à signaler que dans la lettre d'information d'Actinutrition donc, que nous avons publiée il y a 10 jours, nous avons réalisé avec Marie un dossier où figurent ces 20 huiles essentielles favorites. Donc, ceux que ça intéresse pourront les retrouver dans la lettre qui est sur le blog.actinutrition.fr avec tous les détails sur le top 20. Partage le lien dans le chat. Je voudrais rajouter une. J'en ai encore quelques-unes, hein, là. Mais il y en a une, ça c'est mon petit côté féminin. Il y en a une que j'adore, c'est l'huile essentielle de bois de rose. Pour la peau, pas en termes thérapeutiques, mais en termes cosmétiques, c'est une merveille. Elle est d'utilisation extrêmement simple. On peut l'utiliser pure sur la peau. Elle fait disparaître les taches, vous savez, les taches de vieillesse, les taches qui se forment avec l'âge, la concentration des mélanocytes. C'est absolument magique, alors que les crèmes cosmétiques très chères sur la prévention et le traitement des taches, en général, ne fonctionnent pas. L'huile essentielle de bois de rose, elle fonctionne. Elle est raffermissante, elle est détoxifiante pour la peau. Enfin, c'est une vraie merveille de cosmétique. Je vous engage, mesdames, à en avoir chez vous. Mais il faut savoir que comme le bois de rose a été très utilisé, maintenant la culture du bois de rose est encadrée et il y a des périodes dans l'année où on ne trouve pas d'huile essentielle de bois de rose. Et dans ces périodes-là, on peut utiliser de l'huile essentielle de bois de haut, ça s'écrit H-O, qui est une huile essentielle d'une espèce très proche du bois de rose et qui vient d'Asie du Sud-Est. Donc bois de rose en priorité, en plus elle sent très très bon, ou bois de haut quand on n'en trouve pas. Docteur Rougier, est-ce que vous allez nous parler du Ravintsara et de l'arbre à thé? Ben je suis un peu coincé, je vous l'ai dit, je suis un suiveur dans cette émission et je m'en réjouis, surtout quand c'est Marie qui a la parole. Je valide les favoris de Marie, comme je suis collaborateur depuis plus de 10 ans et on fait des choses ensemble. Et bien évidemment, son savoir m'a été transmis, mais j'ai quand même, en tant que médecin, là je vais parler maintenant en tant que médecin, j'ai des propositions à vous faire. Je valide ce qu'a dit Marie, la lavande, l'hélicryse. Alors avec une précision, Marie a bien souligné le côté anti-inflammatoire de l'hélicryse. De mon côté, je peux donner pour toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires, et ça peut intéresser beaucoup de gens, j'ai vraiment une formule, excusez-moi l'expression magique, ce n'est pas digne d'un médecin de dire des choses comme ça, mais je veux dire vraiment très très efficace, à diluer dans de l'huile de sésame, de macadamia, comme l'a dit Marie, ou d'huile d'amande douce, ça me va très bien. J'ai un petit penchant pour le sésame, peut-être parce que toute l'Inde a largement prouvé que ça fonctionnait très bien, dans lequel, pour à peu près 20 cc, on dilue une trentaine de gouttes d'hélicryse et de gaultérie couchée, que Marie a bien souligné l'effet.
Hélichryse, Gaultherie couchée, donc très très dense, 30 à 40 gouttes d'hélichryse pour 10 à 15 gouttes de Gaultherie qui, elle, a tendance à plus chauffer. Donc sur quelque chose qui est inflammatoire, il ne faut pas que ça chauffe. Mais ça permet de très bien pénétrer. C'est un puissant anti-inflammatoire au niveau tissulaire. L'hélichryse, c'est exceptionnel au niveau de son action anti-inflammatoire locale, tissulaire et articulaire. Je l'ai prescrite pendant de très très nombreuses années pour toutes les équipes sportives que j'ai suivies ou pour des gens qui faisaient les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. Et c'est une merveille, une entorse encadrée comme ça va cicatriser en la moitié du temps. Donc, l'avant d'hélichryse, Marie en a parlé, Gaultherie, on est d'accord. Pour tout ce qui est viral, puisqu'on peut effleurer le sujet mondial du jour. Moi, par contre, je suis là, Marie a raison, on peut en garder une. Là, moi, je suis un petit peu incisif pour couvrir mon terrain. Je recommande à tout le monde un mélange dans l'équivalent de 20 cc d'huile de sésame ou de macadamia. Ça marche, j'aime bien aussi l'huile de macadamia. Eh bien, à l'intérieur, je mets tea tree, donc l'arbre à thé, le ravinsara et niaouli. Et Marie, tu me pardonnes ce côté, je suis un peu iconoclaste, je rajoute actuellement à toutes les personnes, et ça, je l'ai dû le faire plus de peut-être 500 fois hein, depuis 9 mois, je rajoute un tout petit peu d'ylang ylang. Alors vous allez me dire, mais c'est pour le massage bien-être et santé. Ylang ylang et un peu d'oranger. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que vous allez frotter vos avant-bras et en mettre ici, l'ylang ylang et l'oranger sont des apaisants du système nerveux. Et depuis 9 mois, nous vivons, il y a eu un terme qui m'a bien plu actuellement, qui maintenant circule sur Internet, qui s'appelle l'infobésité. Nous pouvons être très minces, mais nous sommes tous obèses. Notre système nerveux est obèse de l'information en continu et de la folie de gavage qu'on a de l'information. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être informé et que je m'oppose aux informations. Je m'oppose à la folie de gavage qu'on nous a imposée, qui nuit à notre système nerveux. Et, ça c'est très important ce que je vais souligner, c'est qu'un système nerveux affaibli actuellement au niveau, je dirais que ce soit stress ou émotion, eh bien c'est directement relié, 5 facteurs du vivant, à notre système immunitaire et hormonal. Donc, à stress et peur et désordre émotionnel affaiblissent notre système nerveux. Excusez-moi, c'est très rare. Voilà, je remets ça. Affaiblissent notre système nerveux et donc affaiblissent notre système immunitaire. Et vraiment, on n'a pas besoin de ça ces temps-ci. Donc, mon favori année 2020, c'est donc ce mélange tea tree, ravinsara, niaouli, dans lequel je mets un peu d'ylang ylang et d'oranger pour les raisons que je viens d'expliquer. Et c'est vrai qu'ensuite, il y a le côté certainement agréable et psychosomatique, mais que les gens me disent « on s'en passe, on en met un tout petit peu, mais très très peu par contre. Hein, » Combien de gouttes les gens demandent ? Voilà. Pardon, les gens demandent combien de gouttes quand on prend les huiles essentielles, hein, que alors, ce soit un mélange ce genre de choses-là, je dilue dans 20 cc d'huile de sésame ou de macadamia, je mets 20 cc, je mets 10 gouttes. 10 gouttes de chacune des huiles essentielles. L'ylang ylang, je n'en mets que 5 gouttes pour ne pas saturer. Et l'oranger, j'en mets également 10 gouttes. Et si j'écoutais également Marie là-dessus, elle a raison, 3-4 gouttes, ceux qui n'aiment pas l'odeur de l'ylang ylang, parce qu'assez bizarrement, c'est une odeur assez blanc et noir. Il y a des gens qui adorent et d'autres que ça dérange. Quand vous n'aimez pas l'ylang ylang, mettez de la lavande, s'il vous plaît. Lavande et néroli. Juste avant de retourner aux questions des personnes qui suivent la conférence, je voudrais vous interroger, Marie et Yann, sur deux huiles essentielles dont on sera amené, Louis et moi, à parler un peu plus tard, à savoir l'amande poivrée et le romarin. Ah, l'amande poivrée, je l'adore. Oui. Celle aussi, c'est une base. C'est une huile essentielle aussi très facile d'utilisation qui a plusieurs vertus, mais moi je l'aime beaucoup pour. Elle a une vertu anti-fatigue quasi immédiate. C'est-à-dire quand vous êtes en réunion au bureau l'après-midi et que vous avez un coup de barre, vous prenez une goutte, une seule d'huile essentielle de menthe poivrée que vous mettez sur le bout du doigt,
et vous la passez sur les gencives. Une seule. C'est un coup de fouet immédiat et c'est extrêmement utile d'en avoir un flacon dans son sac ou dans sa poche au cours de la journée parce que, en plus, vous pouvez le répéter deux fois, trois fois si vous avez besoin, il n'y a aucun risque. Et son autre grande vertu, c'est qu'elle est anti-nausée. Quand vous avez le mal des transports, quand vous avez des nausées pour des tas de raisons, respirez simplement. Un flacon d'huile essentielle, vous respirez le parfum d'huile essentielle et ça fait vraiment baisser le niveau de la nausée très très rapidement. Pour moi, c'est les deux grandes utilisations de l'amande poivrée. Il y en a une autre, c'est les douleurs très localisées parce que quand vous mettez de l'amande poivrée sur la peau, elle aussi, on peut la mettre pure, elle n'est pas caustique, mais elle refroidit beaucoup la zone. Donc, elle a un effet quasiment anesthésiant sur les zones très réduites. En revanche, il ne faut jamais faire de grands massages avec de l'huile essentielle de menthe poivrée et encore pire, de bains avec de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que là, l'effet rafraîchissant se pénétrerait dans tout le corps et ce serait très désagréable, voire préjudiciable. Mais de façon locale, antidouleur, quand on le respire anti-nausée et une petite goutte sur les gencives pour anti-fatigue. De fouet. Et le romarin, donc ? Pas de succès ? Le romarin. Oh, si, le romarin, c'est, aussi, c'est une grande huile. Alors, le romarin, c'est toujours pareil. Il n'y a pas le romarin, il y a des romarins. Il y a le romarin à verbenone, le romarin à cinéole, il y en a encore d'autres. Donc, celui qu'on peut utiliser le plus facilement à la maison, c'est le romarin à cinéole, qui pose pas beaucoup de problèmes de tolérance, qu'il faut mélanger à une huile de base pour le mettre sur la peau parce qu'il peut être irritant, mais à part ça, il n'y a pas de problème de tolérance. Et lui, il est extrêmement bactéricide, virucide aussi, il a un effet digestif, il a un effet détox sur le foie. C'est intéressant pour ça, le romarin, de faire tous les soirs, par exemple, quand on se couche, un massage sur la zone du foie avec une cuillerée à soupe d'huile de base, hein, toujours les mêmes, dans laquelle vous mettez 5 gouttes de romarin et avec cette préparation, vous massez la zone du foie qui est, on ne le voit pas beaucoup là, mais qui est sous les côtes à droite. Et c'est une façon de, si vous associez ça avec une période où vous faites un peu plus attention à ce que vous mangez, vous buvez suffisamment d'eau, quelques tisanes, etc., ça contribue à un programme détox pour le foie et c'est assez intéressant. Docteur, je vous cède la parole. Le docteur se dit que dans certains domaines, il n'a rien à rajouter. J'aime le côté scientifique et poétique que tu nous offres. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment deux très grandes. J'aime aussi beaucoup. L'amande poivrée est encore plus connue pour moi parce qu'elle est plus polyvalente. Le romarin donne des j'ai remarqué dans mes prescriptions, et peut être un peu plus vigoureux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se masse le foie et qu'on a fait qu'on a des excès alimentaires ou un peu alcooliques, ça peut. Alors, autant la menthe poivrée peut quelque part réparer une envie de vomir, je dirais, ou une nausée, le romarin, quand ça commence à déclencher la libération du foie, ça peut être un peu plus massif. Alors, je dirais que les deux sont extrêmement intéressants au niveau digestif. Si on les utilise en douceur, ça donne un côté détox, dépolluant. Et quelque part aussi, ça peut agir quand on fait un régime minceur parce que vous métabolisez mieux ensuite les aliments. On va dire que ça apprivoise et ça régénère toutes les fonctions digestives en partant de l'espace hépatique, du foie. Mais autrement, ce qu'a dit Marie, il n'y a rien à rajouter. Louis, on continue sur les questions. Oui. Alors, on va être encore plus pratique puisque, comme je le disais, les gens ont chacun des petits maux et ils cherchent l'huile essentielle qui va les soulager. Et alors, je me réserve une question. Je ne sais pas si je peux faire ça, mais je me réserve une question. La question de Béa qui nous dit quelles sont les huiles essentielles à prendre contre les ballonnements et les flatulences. Moi, j'ai une solution à proposer à Béa en fin de conférence. Si vous voulez bien, je me réserve cette question. Alors là, avec plaisir, on va découvrir avec toi avec grand plaisir. Alors, Isabelle qui nous demande une huile essentielle pour l'eczéma lié au stress. Ah bah là, je dirais la lavande, bien sûr, parce que la lavande, elle va agir
aux deux niveaux. Elle Bravo. Va agir sur le plan du stress, puisque c'est une huile apaisante, calmante, régulatrice du système nerveux, et au niveau de la peau, puisqu'elle a un tropisme très très fort avec la peau et que c'est en elle-même un soin de l'eczéma. Donc elle agit sur les deux tableaux en même temps et ça me semble la plus adaptée. Alors, beaucoup de questions aussi, question de Geneviève et de Crescence qui nous demande des huiles essentielles pour booster l'immunité et notamment avec le contexte qu'on connaît. On a répondu. On répète le mélange donc. Alors, je propose le mien, mais parce que j'avais pris la parole, mais Marie va nous donner le sien. Moi, c'est je le groupe, même. J'avoue que je groupe Titri, le Ravinsara et le Niaouli. Oui. Le Niaouli, voilà. Ravinsara, Niaouli. Et d'accord. J'ai expliqué que comme ce contexte, avec ça, on est dans, je dirais, dans la médecine des hommes. C'est antibactérien, antiviral, donc ça marche très, très bien. Et en même temps, cette magie, je rajoute aussi un peu de médecine du corps, parce que je trouve qu'actuellement, et c'est peut-être du premier degré ce que je vais dire, et mes propos n'engagent que moi, ce n'est pas une preuve scientifique, mais je pense qu'une très grande partie, à un moment d'une pandémie, est liée également à la peur. La peur, quand on a vraiment peur à un moment avec du stress face à quelque chose qui nous agresse, cette peur va effondrer notre système immunitaire et favoriser la dispersion de la maladie. Alors, je ne dis pas que si personne n'avait eu peur, il n'y aurait pas eu de pandémie. Je dis que maintenant que c'est un peu installé, la crispation médiatique, l'extrême prudence, certainement justifiée de nos gouvernements, en sachant qu'il y en a d'autres qui ont fait d'autres choses. Mais le tout est de discuter. Et je le dis ouvertement là en public, le but n'est pas de contrer ce que fait un gouvernement, parce que j'ai souvent cité cet exemple. Quand il y a une équipe de football et que l'entraîneur décide d'attaquer, si tout le monde attaque, c'est très bien, mais s'il y en a qui attaquent et qui disent non, ce n'est pas une bonne stratégie, je vais défendre aussi, à la mi-temps, si l'équipe perd, l'entraîneur ne saura pas si sa stratégie est mauvaise ou s'il doit en changer pour autre chose, puisqu'il n'aura pas eu la preuve. Donc je pense que par contre, j'encourage les gouvernements à dialoguer entre eux. Je pense que beaucoup de gouvernements devraient dialoguer avec le gouvernement, par exemple, suédois, qui a fait quelque chose de tout à fait différent. Et qu'il doit y avoir un juste milieu entre ce que fait la Suède et ce que fait la France. Par contre, je suis aussi extrêmement partisan de respecter ce que donnent les directives sanitaires, pas essayer de les blouser ou de les contourner, ce qui est un jeu essentiellement franco-français, parce qu'à un moment, on ne sait plus si la stratégie imposée est due à... C'est une mauvaise stratégie ou due aux tricheurs. Donc, plus on est solidaire dans ce que l'on fait, plus le gouvernement peut réagir pour modifier sa stratégie. Pardon, c'était une parenthèse, mais je dis donc que dans ce contexte neuro-émotionnel super délétère, et les neurosciences prouvent que le système nerveux est en prise directe avec l'immunité, je rajoute dans ce mélange systématiquement le fameux ylang-ylang dont j'ai parlé tout à l'heure, et Néroli. Néroli, c'est quelque chose de très léger, de très très agréable. Pour les gens qui n'aiment pas l'ylang-ylang, je propose la lavande. Alors au niveau dosage, je l'ai dit, on peut le faire en pur. Moi, je ne le fais pas pur. Je fais toujours 20 cc d'huile de sésame, macadamia, j'aime bien aussi, ou huile d'amande douce. Et là, idéalement, on peut mettre, je dirais, dans 20 cc, 10 gouttes d'hélicryse. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est parce que j'ai dans ma tête la formule anti-inflammatoire. Alors, 10 gouttes de Ravinsara, 10 gouttes de l'arbre à thé, le niaouli également, 10 gouttes de tout cela. Et 5 petites gouttes au niveau du ylang-ylang, parce qu'il faut que ça soit ou 5 gouttes de lavande et de néroli. Mais vraiment, dans ma formule antivirus, il y a le côté médecine des hommes, il y a le côté moléculaire de l'huile essentielle qui va protéger et détruire les virus qui nous entourent. Et il y a le côté aussi neurosciences, neuro-émotionnelles, où je dis que je n'aurais pas besoin de tout cela si mon système immunitaire est très fort. Plus notre système immunitaire est fort, plus le virus est faible.
Alors, nous avons le Je voulais juste bonjour rajouter de une petite chose, Louis, Marie-Marie, si tu permets. oui. C'est que comme la nature est parfois très très bien faite, les trois huiles essentielles dont on a parlé, c'est-à-dire arbre à thé, niaouli et c'était quoi le troisième? Avin Avin Sara. Sara, les trois sont non seulement virucides, bactéricides, etc., mais les trois ont un effet stimulant sur le système immunitaire. Donc, Absolument. elles permettent Absolument. de prendre les germes un peu en sandwich entre leur Oui. action Direct, en fruit direct, directe, voilà. voilà, antibiotique, quoi, directe, et leur action de stimulant immunitaire. Et elles sont vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Ah oui, tout à fait. Et comment utiliser ce mélange, nous demande Réanique, Sabine. 3-4 fois par jour, on se masse les avant-bras, comme ça, on en met un tout petit peu là et C'est ça. là, voilà, et on le respire. Je précise qu'il y a des gens qui l'utilisent, et Marie nous dira peut-être qu'il est la meilleure, parce que 20 cc, ce n'est pas beaucoup. Il y a des gens qui utilisent ce que je vous ai proposé pur, et ça marche très très bien aussi. Moi, je suis toujours un peu médico-médecin, je mets une petite dilution pour que ça soit peut-être plus agréable au niveau du massage et que ça limite l'irritation des avant-bras, mais on peut l'employer pur et vraiment, c'est. Enfin, Et moi, je trouve ça très très c'est agréable. très intéressant de se faire un mélange pur dans un petit flacon d'huile essentielle où on va mettre, selon les mêmes proportions, je sais pas moi, 30 gouttes de chacune des trois huiles principales et puis 10 gouttes de chacune de celles Parfait. qui sont liées au, voilà, au stress. Et mélanger ça dans un petit flacon, le garder sur soi et le respirer régulièrement, soit Mais oui. directement à même le flacon, soit en verser quelques gouttes sur un mouchoir qu'on garde dans sa poche et qu'on respire régulièrement. C'est un tout petit apport, ça va pas du tout être la même chose que si on les prend par voie orale, mais c'est un petit apport qui, répété, va compléter tout le reste de ce qu'on peut mettre en place pour stimuler son immunité et calmer son stress dans la période que l'on traverse. Oui. Alors, on a le bonjour de Juliette qui habite la Martinique et qui nous demande de préciser quelle lavande, la lavande vraie ou aspic? Alors, dans le doute, la lavande vraie, c'est la base et elle fonctionne Pour sur tout, oui, tous absolument. les problèmes. Après, on peut utiliser la lavande aspic, par exemple, est particulièrement intéressante sur les brûlures. Elle fonctionne encore mieux que la lavande vraie. Le lavandin, qui a une autre qualité de lavande, qui est beaucoup moins efficace sur le plan anti-stress, le lavandin, il a une action anticontracturant musculaire supérieure à la lavande. Mais si on n'a pas tout ce genre Lavande vraie. hein, lavande vraie, c'est la base, c'est celle qui sert à tout, et c'est celle qu'on peut essayer sans aucun problème et sans risque de se tromper. Alors, j'ai Jocelyne qui nous demande une huile essentielle aphrodisiaque. La Ah, grande huile Marie, essentielle moi je aphrodisiaque qu'on pourrais donne répondre aux toujours, hommes. Je pourrais c'est répondre aux hommes. l'ylang-ylang. Dans toutes les recettes de massage sensuel, de préparation, etc., on trouve toujours de l'ylang-ylang qui a une action, paraît-il, je ne sais pas si ça a été vraiment mesuré, à la fois sur la libido, en stimulant de la libido, et elle est apaisante en tant que telle. Donc, elle agit elle aussi sur les deux tableaux. Mais peut-être que notre cher docteur a quelque chose de plus à nous dire sur le plan masculin. Alors, pour Marie, tu viens de parfaitement répondre pour la libido pour une femme, parce que je dirais que là, on pourrait passer du temps au niveau neurosciences. Mais ce qui s'allume dans le cerveau d'une femme et d'un homme au niveau je dirais, des déroulements sexuels, et ça peut être synchronisé, ce qui est très agréable, mais pas forcément similaire. Une femme est très sensible à une base de ce que je peux appeler la tendresse nerveuse. C'est-à-dire que ça renvoie à de l'antistress, ça renvoie à une sorte de romantisme moléculaire. Voilà. Et ça, ça a donné donc la bonne réponse. J'adore. Les hommes sont plus sensibles, je dirais, au dynamisme moléculaire. Voilà. Et donc, il faut toutes les huiles. Alors, par contre, là, je suis extrêmement direct. Les huiles essentielles pour un homme, dans la région qui nous concerne, même si elles ne sont pas dermocaustiques, doivent absolument pas approcher les muqueuses, parce que là, toutes les muqueuses sont très sensibles aux huiles essentielles. Par contre,
tout ce qui va toucher la vasodilatation, ça tout le monde le sait, et en même temps, c'est vrai, une forme de détente nerveuse. Je ne dis pas de relaxation complète, parce que ça, ça ne va pas, il faut au contraire être tonique, mais d'harmonie nerveuse, parce que j'ai vu un sondage récent, dans les gens qui n'ont pas de pathologie directe, plus de 60% des impuissances qui sont vraiment, je dirais pas liées aux organiques, fonctionnelles, sont liées parfois à un excès de stress, à un état de burn-out ou de dépression ou de choses comme ça. Donc, toutes les huiles essentielles, et pour les hommes, c'est vrai que je pense, ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau néroli, lavande, ylang-ylang pour ceux qui aiment, mais ylang-ylang, il y a vraiment, je l'ai dit, deux catégories. Il y a des hommes qui adorent cette odeur, mais c'est surtout les femmes qui adorent cette odeur. Les hommes peuvent être un tout petit peu... Alors là, ça sera un petit peu lavande et néroli. Et des huiles essentielles un tout petit peu vasodilatatrices. Et là, je ne donne pas forcément de conseils directs. Je pense qu'on peut aller regarder sur Internet. Bois de Siam. Marie, tu connais cette huile essentielle Non, je ne connais pas le voilà. Bois de Siam. À vérifier, voilà. Ça, c'est quelque chose... qui est, vous mélangez ça avec un tout petit peu d'huile, mais en, je dirais en forte concentration, pour 10 cc, vous faites une vingtaine de gouttes, et vous massez le bas du dos, la zone sacrée, c'est-à-dire après la zone lombaire, juste en bas du... Parce que là, il y a beaucoup de nerfs qui partent et qui vont aller irriguer la zone sexuelle. On se masse, messieurs, très direct, pardon, jamais directement la zone sexuelle. Très bien. Très bien pour ces conseils. Alors, nous avons Chantal qui nous demande une huile essentielle pour la polyarthrite. Est-ce que la Golteri, Golteri... Oui. Ouais. Alors, je dirais Golteri et eucalyptus citronné, dont je parlais tout à l'heure, qui est un eucalyptus qui n'a pas du tout de vertu, enfin quasiment pas, de vertu respiratoire, contrairement aux autres, mais qui est aussi inflammatoire. Et le mélange Golteri et eucalyptus citronné, voilà, c'est très efficace sur les douleurs. Alors, c'est sûr que la polyarthrite, c'est un cas particulier. Je pense que Yann aura d'autres choses à dire là-dessus. D'autres choses à dire en rajoutant tout de suite. dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment pour moi très important. C'est l'hélicryse, agit très, très fortement. Et bien sûr, j'encourage la personne. Golteri, pas l'hélicryse. Tu as une fixation sur l'hélicryse ? Oui, pour tout ce qui est. Parce que c'est inflammatoire. Oui. Et elle est aussi anti-inflammatoire. Non, parce que j'en avais pas parlé, donc je me demandais si. Non, voilà. Non, là, tout à l'heure, je me suis. Golteri, hélicryse. Cette fois-ci, je suis très concentré en répondant à la question. Hélicryse, oui, cette hélicryse, effectivement, qu'on voit plus comme quelque chose qui serait, entre guillemets, plus beauté ou des choses comme ça, et vraiment au niveau circulatoire également. Eh bien, au niveau des articulations, quand on a ou de la polyarthrite ou des choses comme ça, vraiment, en la concentrant bien, hein, sur 10 cc d'huile de macadamia, il faut carrément mettre 50 gouttes d'huile essentielle. Donc, vraiment très concentré. Et ça donne vraiment un plus au niveau anti-inflammatoire. Et la Golteri va réchauffer l'ensemble, mais sur une crise d'arthrite vraie, où déjà c'est chaud, là, oui. Il ne faut pas employer la Golteri. Oui. Je suis plus partisan hélicryse et l'eucalyptus citronné. D'accord. Et je rajoute une chose incroyable. Marie en a parlé tout à l'heure, comme quoi, même en étant, je dirais, un peu un iconoclaste de l'utilisation, parce que je regarde la presse scientifique essentiellement. Assez bizarrement, la menthe poivrée, en toute petite quantité, en mélangeant avec ça, quand on est sur une crise arthritique ou une crise de goutte, eh bien, c'est très intéressant. Oui, parce qu'elle rafraîchit. Absolument, Marie, c'est exactement. Elle apaise. Donc. Louis, on se prend encore trois questions. Très bien, ça me va. J'ai Vanessa qui demande une huile essentielle contre les fringales. Alors, j'ai déjà répondu un tout petit peu, mais Marie a peut-être quelque chose à préciser. Bah, écoute, non, moi, j'avais rien d'autre de plus que ce que tu as dit tout à l'heure et qui me semblait parfait, donc je t'invite à le répéter. Donc c'est l'huile... Je pense que tout ce qui est fringale renvoie à une hyperexcitation du système nerveux et du système, je dirais, neurosensoriel. C'est-à-dire qu'on a faim, on veut se remplir de quelque chose par rapport à ça. Donc, en priorité, le système nerveux doit être rééquilibré. Donc, les mêmes huiles essentielles qu'on a citées et qu'on va reciter. Moi, j'aime beaucoup par rapport à ça
de nouveau, ça peut être lié, on en vient d'en parler, hein, de toute façon, même au niveau du stress. Pour une femme, oui. Ilang-ilang sature les sens. C'est vraiment ça chez une femme. Ilang-ilang sature les sens. Donc, quand on a les sens saturés, on a moins tendance à vouloir saturer le centre de la faim. Ilang-ilang, lavande, néroli, oui. J'aime beaucoup, beaucoup le néroli. Les gens qui n'aiment pas l'ilang-ilang, lavande. Lavande, néroli, ilang-ilang, néroli. Au choix. Très bien. Alors, Nadège, je crois qu'elle suit d'ailleurs une de nos formations de conseiller en nutrition. Alors, elle cherche une huile essentielle contre l'algodystrophie. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je désolé. Voilà. Je laisse parler de l'ignorance. Oui, là, c'est. Alors, il faudrait beaucoup de temps. C'est Nadège qui nous pose la question. Merci pour votre confiance. Si vous faites quelque chose au niveau des formations, j'aurais le plaisir peut-être de faire passer une réponse plus complète. En priorité, il faut comprendre qu'une neuroalgodystrophie se voit au niveau, par exemple, d'un membre opéré ou d'une cicatrice. On fait des neuroalgodystrophies quand quelque chose qui a été opéré ou blessé cicatrise mal ou en cicatrisant se déforme. Il y a des neuroalgodystrophies qui, au niveau surtout des bourgeonnements de la peau et de la cicatrisation ou des membres opérés où l'os se transforme et ne s'aligne pas comme il devrait s'aligner. C'est la hantise de tous les chirurgiens. La neuroalgodystrophie, comme le nom l'indique, on s'est aperçu qu'il y a forcément derrière cet espace de cicatrisation ou de réparation un fort impact au niveau du système nerveux. Donc tout de suite, je dirais à Nadège, s'il vous plaît, en priorité, sur ce terrain, faites de la sophrologie, faites même de l'hypnose. Maintenant, il y a de l'hypnothérapie médicale. On a bien légiféré sur le sujet avec des gens très, très compétents. En priorité, je vous dirais ça. Faites de la cohérence cardiaque. Allez voir Philippe, cher Philippe et cher Louis, si vous avez la gentillesse de mettre le lien pour Nadège au niveau de ce qui est respiration SB2 et cohérence cardiaque. S'il vous plaît, faites le scénario de fin de journée pour l'intégration émotionnelle. Vous avez le lien aussi. Et sur toutes les personnes qui font de façon assez chronique de la neuroalgodystrophie, je demande immédiatement un travail d'écriture ou sur leur contexte de vie actuel, je leur demande d'exprimer. Il y a très rarement des neuroalgodystrophies sans qu'il y ait une situation périphérique de vie avec dépression et avec des mal-être. Donc ça, il faut le coucher sur du papier. Déjà, ça permet de l'évacuer. Et au niveau tropisme pur, là, je trouve que bois de rose, de nouveau, et je ne me trompe pas Marie, hélicryse, parce que c'est un puissant cicatrisant dans le bon sens du terme, et évidemment, rajouter quelque chose, peut-être avoir deux flacons, un qu'on peut appliquer sur la neuroalgodystrophie, en supposant bien sûr que la plaie ne soit pas suintante, auquel cas là, pour la lithique médicale, et avoir un autre flacon dans lequel on met ilang-ilang, lavande ou néroli, en fonction de ce que l'on veut, pour calmer le système nerveux. Le but, le seul but, cher Nadège, que vous avez à poursuivre, c'est bien sûr prendre soin de l'espace où quelque chose, il y a de cette fameuse neuroalgodystrophie, et prendre soin, immensément soin, de votre système nerveux et de votre système émotionnel. Dernière question, alors, question de, eh bien, de Galaxy J5, je pense que c'est le nom de son téléphone. C'est la question. Résume tout. Quelles sont les huiles pour traiter Alzheimer? Mon mari en souffre, ou plutôt traiter la perte de mémoire? Elle s'est reprise. Ouais, là, alors, Marie, je te laisse la primauté et tu me feras compléter si besoin. Alzheimer, c'est une maladie très particulière dont on ne sait pas tout, pour laquelle on a du mal à trouver des solutions médicamenteuses. Donc, dire qu'on va trouver une huile essentielle qui guérit Alzheimer, c'est, à mon sens, une vue de l'esprit. En revanche, on sait que cette maladie, comme toutes les autres, s'inscrit dans ce terrain des 5 facteurs du vivant et que un rééquilibrage global de la vie quotidienne sur les 5 facteurs favorise un ralentissement de l'évolution des symptômes à minima et que les huiles essentielles, elles peuvent rentrer là-dedans, notamment au niveau du stress, de
toutes celles dont on a parlé depuis tout à l'heure, de la lavande, néroli, l'ylang-ylang, pour essayer d'apporter un calme et un nouvel équilibre au système nerveux qui forcément en pâtit. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse aller au-delà de ça avec les huiles essentielles. Donc, je passe la parole à Monsieur Rougier. Voilà. Alors, Marie, le début de réponse est tout à fait complet. Je ne connais pas, pourtant je suis passionné par les neurosciences et j'ai beaucoup de personnes que je suis pour Alzheimer. On ne peut pas dire qu'il y ait une huile essentielle spécifique qui peut nous aider pour Alzheimer. Par contre, en phytothérapie pure, je donne toujours, parce que je trouve que ça marche très 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 bien, tout simplement des infusions. Hein, on infuse une petite pincée de plante pendant 3 minutes. Le ginkgo est extrêmement intéressant. Je fais un mélange avec une petite pincée de chaque pour 1 ml de cette infusion. Ginkgo, à l'intérieur, je mets également du millepertuis. Je mets également quelque chose, je dirais, qui a une action un petit peu drainante, même pour tout ce qui peut être le corps en général et même le cerveau. Donc, je mets également un peu d'ortie parce que ça purifie le corps et on le sait dans Alzheimer. Il y a des amas à certains niveaux qui se font. Alors, les plantes ne vont pas aller nettoyer le cerveau. Je parle juste au niveau global. Voilà une infusion de base. Et ensuite, je mise sur une chose, c'est qu'il y a un complément alimentaire qui est fantastique. La phosphatidylcholine, les phosphatidylsérines et les oméga-3. J'encourage beaucoup, beaucoup les gens à prendre cela parce que ça vient nourrir le système nerveux. On peut rajouter des vitamines du groupe B. Et je suis désolé de parler aussi librement de ce sujet parce que c'est toujours très difficile à vivre, mais je vous encourage plus que tous les médicaments dans ma pratique actuelle au niveau des conseils donne le plus de résultats, c'est de rester extrêmement actif mentalement. Je propose tous les jours soit des mots croisés, soit des sudoku, soit pour les gens qui peuvent aimer de jouer aux échecs. Tous les jours une partie, tous les jours une case, tous les jours une grille à faire. Ce qui marche extrêmement bien également, c'est participer à du chant, à une chorale. Le chant draine le cerveau. Et le plus fantastique de tout au niveau des études cliniques, si vous avez cet espace et cette possibilité, la danse de salon à deux. La danse de salon à deux a des effets incroyables sur la stabilisation d'Alzheimer. Si vous êtes encore jeune d'esprit, le rock and roll peut être sympathique, mais habituellement, ce sont des danses, par exemple, comme le passo-doble ou le tango ou la valse, des danses qui se font à deux. Le tango est réputé est extrêmement stabilisant pour les pertes de mémoire. Donc, activité sociale, activité mentale, et si la personne est encore, je dirais, avec une volonté de faire, n'importe quel apprentissage, par exemple, si la personne ne sait pas jouer du piano, même si la personne a 77 ans, et des douleurs aux mains, lancez-vous, apprenez ou le piano ou une langue étrangère. Tout ce que je viens de vous dire, couplé, cette fameuse médecine du corps, ça donne vraiment tant qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y en a pas pour l'instant, il y en a en expérimentation, il n'y a pas de vrais médicaments d'Alzheimer. Ce qui aide le plus, ce sont cette prise de conscience de devenir actrice et acteur de sa guérison, et j'ai de merveilleux résultats de stabilisation. Merci docteur, très intéressant hein, cette petite explication sur le passo noble et le tango. Effectivement, on va s'y faire et on va faire du sudoku. On yes. rappelle d'ailleurs les plantes que vous avez conseillées. Donc il y a le ginkgo biloba, millepertuis et ortie. Hein, j'ai bien Absolument. Noté. Une pincée de chaque dans 1 ml d'eau, vous laissez infuser 3 minutes et vous essayez de boire 1 litre de cette décoction tous les jours. Je précise. Pour des personnes en bonne santé, parce que les plantes ont une action. Le ginkgo, par exemple, est fluidifiant. Demandez conseil à votre fluidifiant sanguin. Demandez conseil à votre médecin si vous êtes sous traitement anticoagulant ou des choses comme ça. Mais habituellement, le mélange que j'ai proposé fonctionne de 99,9%. Et les gens ressentent une vraie différence. Et une dernière précision, cher Philippe, si on peut aider le plus possible de monde, si avec ce problème de santé, il y a un problème de sommeil, vraiment, il y a un mélange fantastique à base de prime vert. La prime vert fonctionne très, très bien. On rajoute à l'intérieur houblon, millepertuis et j'avais une plante, et s'il vous plaît, passiflore, voilà. Et valériane, voilà. Mais ce n'est pas une pincée, la valériane, hein. C'est une pointe de couteau.
de nouveau infuser 3 minutes et boire cette infusion vers 19h. Ça apaise, ça donne un meilleur sommeil et la prime verre a quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'elle dissout les idées morbides. Ça paraît bizarre de dire ça d'une plante, hein, mais à l'expérience, tout le monde rapporte ça. Ça dissout les idées morbides parce que quand on ne va pas bien, quand on se sent souffrant, on a le moral qui est tiré vers le bas. Donc, cette infusion fait merveille pour un sommeil réparateur et un bon moral au réveil. Juste avant de prendre congé de vous, j'encourage tous ceux qui nous suivent à rester encore quelques minutes avec nous parce qu'on a, comme le répète Louis, pas mal de cadeaux à distribuer juste à l'issue de la conférence. Donc, j'ai envie de vous remercier tous les deux. Et j'ai accordé des points à tout ce que j'ai pu entendre sur les huiles essentielles. Et j'ai envie de dire que mes trois winneuses ce soir sont évidemment la lavande vraie, dont vous n'avez cessé de vanter les mérites. L'hélicryse, qui est revenu très très souvent sur le devant de la scène. Et le troisième choix sera évidemment le Ylang Ylang. Mais ça, c'est un problème personnel, cher Philippe. Rien J'ai bien noté. Et à vous, alors. Bon, merci beaucoup. Merci Marie. Merci à tout le monde. Merci à vous. Absolument fascinant, effectivement, votre connaissance des huiles essentielles. On a appris beaucoup, beaucoup de choses sur ce qu'il faut choisir, la manière dont on doit les utiliser, les précautions qu'on doit prendre. Je crois qu'on a vraiment tenu nos promesses. Bravo et merci. Merci à vous. Merci pour le partage. Donc, je vous redonne rendez-vous le mois prochain, sans faute, sur un autre sujet que nous annoncerons prochainement. Est-ce que ça vous va ? C'est parfait. Tout cela est parfait. Ça me va. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et les autres, restez avec nous, car nous avons des choses à... on a toujours des petits cadeaux, non ? Alors, juste avant de passer à nos petits cadeaux, et puisqu'ils sont trop modestes, effectivement, pour en parler, je voulais partager quand même un ouvrage super intéressant que nos deux invités ont écrit et qui peut intéresser les gens qui les ont découverts aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on voit à l'écran ? Voilà, oui. Voilà, c'est le guide des antidouleurs naturelles par Dr Yann Rougier et Marie Borel. C'est pas eux qui m'ont demandé de le présenter, donc je le présente avec grand plaisir. En tout cas, ça c'est une saisie écran là qu'on peut voir sur Amazon. Donc c'est aux éditions Le Duc et je sais que c'est un bouquin qui a beaucoup de succès. Donc les auteurs, c'est les gens que vous avez pu suivre aujourd'hui avec nous. Donc, je te propose maintenant de passer à notre première surprise. Notre première surprise, c'est... Alors, je partage à nouveau mon écran. Oui. Et je répète, donc ActiNutrition, ça c'est ce qu'on appelle notre baseline. On vous aide à devenir l'actrice ou l'acteur principal de votre santé. Donc aujourd'hui, c'était en utilisant les huiles essentielles. Mais la prochaine fois, ce sera en découvrant des outils de santé contre le stress ou alors les tisanes pour ceci ou cela, pour la fatigue, pour le sommeil, etc. Enfin, vous avez bien compris l'esprit dans lequel on organise ces conférences, c'est pour donner un maximum de conseils pratiques. Donc, qui on est, nous ? On est ActiNutrition, une société fondée en 2010 et basée à Montpellier. Et donc, on propose quoi ? On propose des informations, des outils santé, notamment par l'intermédiaire de notre blog. Donc, beaucoup d'informations. Et quand le docteur Rougier parlait tout à l'heure des outils de santé concernant, par exemple, concernant le la machine à laver les émotions. Voilà, la machine à laver les émotions ou alors les exercices de respiration, SP2, anti-stress ou la cohérence cardiaque ou ce genre de choses. Tout cela, vous pouvez le trouver en démonstration vidéo et en explication textuelle sur le blog. Donc, allez-y, blog.actinutrition.fr.
On fait aussi, donc, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure en introduction, on fait aussi maintenant des formations certifiantes, donc en nutrition et en gestion du stress. Et donc, ceux qui connaissent bien l'utilisation du compte personnel de formation, hein, le CPF, peuvent chercher ActiNutrition et ils trouveront toutes nos formations. Donc, allez sur votre compte personnel de formation et cherchez nos formations. N'hésitez pas et vous verrez d'ailleurs le docteur Rougier, vous le retrouverez dans la formation nutrition. Je crois qu'on a d'ailleurs pas mal de gens de cette formation qui nous ont suivis aujourd'hui. Et oui. Super, donc on leur repasse un petit coucou. Qu'est-ce qu'on fait avec ActiNutrition ? On fait aussi des compléments alimentaires, et c'est là que je vais bientôt te céder la parole, mon cher Louis, parce que notre première surprise, évidemment, concerne les compléments alimentaires, puisqu'il y a un complément alimentaire que nous avons sélectionné en commun dans le cadre de cette conférence. C'est le complément alimentaire qui contient de l'amande poivrée, donc bonne pour la digestion, nous ont dit nos invités, et de l'huile essentielle, donc de menthe poivrée, et de l'huile essentielle de romarin, donc excellente contre les nausées notamment. Et c'est un complexe, une formule que nous avons appelée ventre-étail et que je te laisse nous présenter, mon cher Louis. Oui, Philippe, j'étais ravi là, de participer à cette conférence. On a frôlé la barre des 100 personnes connectées sur le Zoom. On était près d'une cinquantaine sur YouTube. C'était vraiment un très gros succès et je suis content de voir autant de monde qui souhaite chercher, trouver des solutions, devenir acteur de leur santé, parce que bah, si on ne s'occupe pas de sa santé, qui va le faire à notre place? Alors, j'avais réservé une question. Hein, sur justement les huiles essentielles contre les ballonnements, les flatulences. Et bien sûr, il s'agit de l'amande poivrée et du romarin qu'on va retrouver dans ce produit minceur de notre gamme minceur ventre-étail. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit ventre-étail? On va retrouver des feuilles de framboisier, de la poudre de kaolin, 5 vitamines, 3 minéraux et justement ces deux huiles essentielles ainsi que du coenzyme Q10. Donc on a développé ce produit en essayant de penser à toutes ces situations dans notre vie où on ne maîtrise plus vraiment ce que l'on va manger quand on est par exemple en vacances, en déplacement, à l'extérieur, en repas d'affaires. Et bien souvent, eh bien oui, le repas est trop lourd, trop gras, trop acide. Et donc, on a voulu avec ce produit, parer toutes ces situations où on va être ballonné, où on va avoir cet inconfort digestif qui va se prolonger et s'installer. Donc, avec ce produit, on va avoir une action directe justement sur la silhouette, au niveau des hanches, au niveau du ventre, car il n'y a pas vraiment de bonne minceur sans bonne digestion. La digestion, c'est vraiment très très important. Une mauvaise digestion va entraîner des ballonnements et va impacter nécessairement, négativement, j'ai envie de dire, la perte de poids. Donc avec les feuilles de framboisier titrées, on va éliminer tous ces inconforts digestifs, les ballonnements, mais aussi les somnolences après les repas. Et puis donc pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont très intéressées par les huiles essentielles, vous avez bien sûr deux huiles essentielles, romarin et menthe poivrée, qui vont agir ensemble pour favoriser une bonne digestion, favoriser aussi le travail du foie et de la bile, qui sont vraiment essentiels. Il y a aussi une association entre la poudre de kaolin et le calcium qui va aussi donc particulièrement être efficace pour éliminer les flatulences, les gargouillements, en absorbant justement les gaz et faciliter le travail des enzymes digestives. Et pour supporter le tout, on va retrouver des vitamines, des minéraux. Donc notre formule, notre cœur de formule secrète ACE Biotechnologie avec le coenzyme Q10 qui vont agir sur l'absorption
de tous ces micronutriments, mais aussi agir sur le système nerveux, sur la digestion. Donc, c'est vraiment un produit minceur, mais qui est assez complet. Et donc, je vous invite à l'essayer, à essayer ce produit, Philippe. Alors, est-ce que tu vas donner à tous les gens qui nous font l'amabilité de rester avec nous une bonne raison de l'essayer? Bien sûr. Est-ce que tu as un écran ou... Voilà. Quelle est ta bonne raison? Explique-nous. La bonne raison d'essayer le ventre-étail avec ces deux huiles essentielles qu'on a présentées, c'est eh bien, cette offre promotionnelle valable pendant 24 heures, 50% de réduction avec ce code promo. Notez bien le code promo octobre 50, en lettres capitales, octobre 50, et vous avez 50% de réduction immédiate sur le ventre-étail, Philippe. Donc, ça nous fait le produit à moins de 15 euros, port compris, hein, on est d'accord? Oui. Donc, alors, profitez-en, le c'est... Le port est à 10 euros, donc non, ça va nous faire 22 euros ou 25 euros, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais oui, une belle réduction. Bon. Ouais, c'est le bon moment alors. C'est le bon moment d'essayer un produit effectivement avec des extraits d'huile essentielle, donc de romarin et de menthe poivrée. Tout à fait. Alors, ActiNutrition, on continue. ActiNutrition, c'est notre deuxième cadeau. Donc là, complètement gratuit. On vous demande de débourser zéro. C'est toute notre série de livres gratuits. Donc, que vous pouvez retrouver sur le blog actinutrition.fr/livre gratuit. Donc, tout ce qui est médecine naturelle, donc tout ce qui est stress, immunité, sommeil, minceur, détox. Et là, je vous ai donné l'exemple d'un livre donc, que nous proposons en téléchargement gratuit, qui est donc consacré à de la phytothérapie minceur. Hein, donc tout ce qu'on appelle les plantes modérateurs d'appétit, les plantes brûle-graisse, etc. Vous pouvez aller directement sur le blog pour le télécharger. Vous rentrez votre nom, vous rentrez votre email et vous pouvez le télécharger directement. C'est cadeau, ok? Donc retenez bien l'adresse blog.actinutrition.fr/livre-gratuit. Est-ce qu'on a tout dit? Non, on n'a pas tout dit. Alors, c'est vrai que la conférence précédente, on avait lancé un petit défi à nos spectateurs qui devaient résumer la conférence en une dizaine de mots. Et le premier qui aurait posté donc ce petit résumé sur la vidéo sur YouTube dans l'espace commentaire, aurait gagné une formation, mais je n'ai pas eu de réponse, Philippe. Je n'ai pas eu de réponse, alors que c'est vraiment une super occasion, opportunité de se former. Donc formation en tant que conseiller en nutrition. Rappelle-nous la valeur du cadeau, parce que je crois que c'est là qu'on réalise qu'effectivement… Je crois que la formation a une valeur de 1500 euros, non? C'est ça, Philippe? Ouais, absolument, c'est 1500 euros de formation pour 30 heures de formation. C'est la formation complète pour créer son activité de conseiller en nutrition. C'est ça. Donc 1500 euros. Donc j'ai envie de réitérer cette offre, moi, Philippe, si tu es d'accord. Les personnes qui sont capables de résumer en quelques mots la conférence de ce jour, allez-y, commentez. Alors là, je le dis bien dans la vidéo, donc dans l'espace commentaire de la vidéo sur YouTube, vous faites un commentaire, vous nous dites ce que vous avez aimé, pas aimé, vous résumez la conférence et je sélectionne un gagnant que l'on annoncera le mois prochain. En 10 mots, c'est ça? Allez, en dizaine de mots, je suis pas très regardant. Hein. Huile essentielle, ça fait 2, d'accord? Menthe poivrée, ça fait 4. Oui, ylang-ylang, ça fait 6. Ylang-ylang. Romarin.
Terry Coucher, non, on a dit menthe poivrée, hélichrys, bien sûr, hélichrys italienne. Voilà. Là, on doit être à 10 déjà. Bon, alors, vous inspirez pas de nos mauvais conseils de fin de conférence. En tout cas, on vous remercie d'avoir tenu jusque-là. On se retrouve évidemment le mois prochain avec un nouveau sujet. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Pour vous annoncer le thème de la nouvelle conférence. En tout cas, on était ravis de passer ces 2 heures avec vous. Et j'espère que vous avez, que maintenant, vous pouvez dire, je sais tout sur les huiles essentielles. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit au mois prochain. Salut Louis. Au mois prochain Philippe. Salut.